Bonsoir, bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur ce live sur Broken Sword, donc sur les chevaliers de Baphomet 1. Voilà, on va continuer ce soir. Je me souviens plus du tout ce qui s'est passé la dernière fois, donc au pire, j'avais qu'à réviser. Voilà, j'ai pas d'excuses, j'avais qu'à réviser, simplement. Re-re, Guta, re-re. Le guide est présent. Ah, parfait, est-ce que tu vas nous guider vers, non pas la salvation, mais vers la suite de l'histoire, vers la solution, si jamais on galère. J'espère que ça va bien, j'espère que ça va bien. Ah oui, si vous me voyez regarder comme ça et tout, c'est parce qu'en fait, le retour de stream, il est à droite, en fait. D'habitude, il est à gauche, du coup, je vois comme ça, mais là, il est à droite. Pour qu'il y ait le jeu, justement, sur mon écran de gauche. Donc, voilà, on avait trouvé cette technique pour ça, donc voilà. Toujours la musique est parfaite, bien sûr. Bah, c'est Yakuza, Yakuza 0. Le thème de Kuze, bien sûr. Très très bon Yakuza, très très bon. J'aimerais bien les faire Yakuza, genre en montrer un petit peu en live. Le souci c'est comme c'est en anglais. Après j'ai fait un sondage et les gens sont plutôt pour que je fasse des jeux qui sont plus en anglais tant que je traduis. En vrai, il y a combien de voix? Il y a 8 voix qui disent oui, vas-y, ça me dérange pas, donc let's go. Coucou Kissa, coucou, j'espère que ça va bien. J'espère que tu vas super bien. Ok, et donc du coup, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? On était allé dans un hôtel, justement pour enquêter sur le tueur, voilà, le tueur qui est un clown, le clown, le fameux clown. Et du coup, bah, on avait trouvé un parchemin qu'on a pu sécuriser, et afin de trouver un trépied qui dame dame, exactement, dame yo. Et du coup, ce trépied qui apparaissait sur le parchemin, bah, il était au musée. Et donc là, on s'est arrêté où on devait aller au musée, en fait, tout simplement, pour essayer de récupérer. Même si bah, on se doute bien que le musée, un random comme nous, il va pas nous dire, bah attends, vas-y, on te le donne, gratos. Non, non, non. Donc je suis sûr qu'il va falloir faire quelque chose pour l'avoir, mais je ne sais plus trop quoi. Bon, on va bien voir. On va dire que tu finis la phase tuto. Oui, voilà, exactement. Le tuto est fini, là, pour l'instant, donc voilà. En vrai, là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. On maîtrise le jeu, voilà, c'est pas le jeu qui nous maîtrise, en tout cas j'espère pour l'instant. Mais ouais, c'est cool, c'est cool. Alors attendez, juste. Je vais peut-être essayer de lancer le jeu. J'espère que ça va pas tout faire planter. Attention, lancement. Il y a peut-être eu un freeze, c'est possible. Recharger. Ah ok, la sauvegarde est toujours là, la sauvegarde est toujours là, t'es bon. Ok, le jeu est lancé. Ça va? Le stream est pas en mode PLS? Non, ça a l'air d'aller. Bah, nickel. Bah, nickel, nickel. Bah, écoutez. Bah, tant mieux. Tant mieux. Attendez juste. Là. Il y a un petit lag. Ah oui, c'est vrai que du coup, j'ai oublié de changer le truc. Ça tombe mon acolyte de fan de Broken Sword. Ah, bah, je sais pas s'il va venir. C'est pas du tout, on va voir. On va voir. Attends, du coup. Juste. Ah! Il faut que je change le setup. En fait, j'aurais dû mettre une image de Broken Sword en fait sur le derrière moi en fait. Comme ça, c'est ce que je serais dans le thème. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que le jeu de toute façon, bon, au pire, ça fera le taf. Au pire, ça fera le taf. Juste ma cam, je vais le remettre à droite. Hop là. Let's go. Je te prends et je t'amène là. Voilà. Let's go. Et maintenant, le jeu. Et screen capture. Sinon, je peux te proposer de faire un thème pour chacun des jeux. Ah, bah c'est gentil, tu as déjà fait un pour Pokémon, mais en vrai, juste une image du jeu. En vrai, je peux même le faire maintenant. Attendez. Si le stream crash, je suis désolé, ça va revenir. Vous en faites pas. Chevalier de Baphomet. En vrai, il y a peut-être moyen de faire un truc. Enfin, wallpaper. Wallpaper. Peut-être un moyen de moyenner. Ah, oh, vas-y, l'appartement de Nico. Oh, let's go. Je prends. Je prends. L'appartement du 5. Ah, nickel. Let's go. Attends. On va voir hein, si ça marche bien. Alors, ça, c'est quoi? Ok. Bah, je vais rajouter. Source. Image. Voilà. Je vais l'appeler Broken. Je l'appelais Broken, voilà. J'en profite, hein, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde encore. Au moins, voilà, on est bon.
Voilà. Là, ça me cache, normal. Voilà. Maintenant, attention, la magie. Je vais apparaître sous vos yeux ébahis. Attention. Oups. Voilà, c'est bon. On a le fond, c'est bon. On est chez Nico. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Maintenant, le jeu. Donc, plus que le jeu, et c'est bon. Ça fait le café. Ouais, franchement, ça fait le taf. Franchement, ça fait le taf. Il manque juste à récupérer le jeu. Où es-tu? Où es-tu, petit jeu? Screen capture. Screen capture. C'est ça, là? Est-ce que ce serait ça? Peut-être. Nvidia, ça c'est Yakuza. Screen 1. Ben alors. Oh, mon coffre, c'est la face de la région de Sargol, il y a quelqu'un 7G. Ah, ben c'est cool en vrai, ça, que ce soit dans Johto et qu'il y ait quelqu'un 7G. Ah, t'en fais pas, Taopi, t'en fais pas, c'est rien. Ok. Je vais faire ça plutôt. Voilà. Je vois que ça détecte le jeu si je fais ça. Est-ce que ça marche direct ou. Non, ça marche pas direct. Ok. Le petit instant. Pas problème technique, mais. Le petit instant. Le petit instant. Attendez. Ah oui, je sais bien, HMS. Je sais bien. Le petit moment où le jeu est un petit peu capricieux, mon cher, je sais pas quoi. Enfin, si je suis automatique. Alors déjà, déjà, pourquoi t'es comme ça? Et ensuite, voilà. Enfin, le jeu est lancé, hein. Il y a l'onglet, mais Nvidia, GeForce, non? C'est ça que je montrais. Alors, peut-être si je fais screen 1 au pire. Screen 2, donc ça c'est mon autre screen. Oh, regardez ça, le Streamception! Regardez! Regardez! Magnifique! Regardez, coucou! Coucou! Je vous passez à la maison. Hein. Vous êtes passé à la télé. Let's go, ça c'est vous. Ça c'est Streamlabs. Magnifique. Et du coup, vous pouvez voir, du coup. Le jeu il apparaît pas. Regarde sinon le screen du jeu. Mais en fait, c'est ce que j'essaye de faire. En fait, c'est ce que j'essaye de faire, mais là ça veut pas. En fait, si je refais, attendez. J'ai une idée. J'ai une idée, ok. J'ai une idée. Je vais juste refaire. Capture de jeu. Capture de l'écran. Voilà, enregistrer des jeux, voilà. Parce qu'on avait fait capture de l'écran, c'est ça qu'on avait fait la dernière fois, il me semble. J'ai fait screen capture 1. Voilà. Voilà. Voilà, attention. Ah, c'est bon. Maintenant, il faut juste. Il faut juste que je me passe derrière. Faut que je passe derrière moi et on est bon. On est bientôt bon. On est bientôt bon. Voilà. Attention. Magie. Mais pourquoi? D'ailleurs, ça marchait. Si je le mets là, ça passe derrière moi. Je mets là, ok. Ok. Pas Attention. ça, Zinedine. Ah non, t'inquiète, Oh t'inquiète. non. Oh non, pas ça. Ça a Pas marché. aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est bon. C'est bon, on est bon. On est bon, on est bon. Ok. Maintenant, petit test. Est-ce que vous entendrez bien le jeu? C'est la question. On va vérifier tout de suite. Non, c'est ça, il fallait capturer l'écran et juste pas capturer une fenêtre hein, spécifiquement. Je pensais casser la fenêtre pour l'ouvrir et entrer triomphalement dans le bâtiment. Puis je réalisais que c'était franchement stupide et que je me blesserais probablement. Voilà. Alors, est-ce que du coup le son du jeu est trop fort? Ou est-ce que ça va? Vous me dites. Le son fonctionne? Ok. Non, juste le volume, si jamais c'est trop fort ou pas. Ok. Tout, tout, tout. Ah. À la musique. Let's go. Excusez-moi. Oui, monsieur?
Oui, c'est monsieur. Vous, Lobino ? Non, mais votre erreur me flatte. Ah, non, est-ce je que... suis le gardien du musée. Gardien ? Mais Lobino travaille ici ? Travailler ? Je n'irai pas jusqu'à là. Il étudie ici jusque-là. Toute la journée. Mais comme vous le voyez, il n'est pas là aujourd'hui. Ok. Ok, donc ça, c'est le gardien du musée. Ok. Vous voulez me serrer la main ? Vous voulez me serrer la main ? Allez. Pas pendant le service, monsieur. Oh. Tiens, tu veux mon mouchoir sale ? Que pensez-vous de ce mouchoir ? C'est absolument répugnant, monsieur. Oh, ça va, vous pas rigoler. Encore. Que pensez-vous de ce mouchoir ? C'est absolument oh. répugnant, monsieur. Bon, bah, t'as vu mon nez de clown ? Vous reconnaissez ce nez rouge ? Je ne pense pas. Bon, ok, on va parler des Templiers. Vous savez quelque chose au sujet des chevaliers du Temple ? Absolument rien, monsieur. Oh, bon, ça, en même temps, c'est normal, c'est le gardien. Mais quand même. Vous vous y connaissez en manuscrit du Moyen-Âge ? Pas moi, monsieur. Je ne suis pas un érudit. Même si les gens le croient souvent. Ah, bon, moi, c'est flatteur. Je suppose. Ils voient un costume et sont impressionnés. Et ils vous demandent de garer leur voiture. Et ils me demandent de... Mais qu'est-ce que vous me racontez ? Ils pensent que je suis compétent sur l'exposition que je surveille. Alors qu'en fait, vous n'y connaissez rien en histoire, c'est ça ? C'est ça. Mais pas du tout. Je dis seulement que je ne suis pas un expert. Pas comme monsieur Lobino. J'aime bien sa voix. J'aime beaucoup sa voix, genre vraiment en mode « Eh ben non, je suis pas un expert, attendez, non. » Vous reconnaissez l'homme sur cette photo ? Non, monsieur, je devrais. Bah non, en fait. Bah non, je suis... C'est Stobart qui est en mode « Bah non, je suis con. Je suis complètement con. » Vous reconnaissez ce laissez-passer ? Non. Non. Cet objet vous fait penser à quoi ? Il devrait être dans un musée. Pardon ? C'est un objet historique d'une valeur inestimable, non ? Pas du tout. Pas du tout, ça sert à soulever les plaques d'égout. Ok, bah écoute. Merci pour votre aide. C'est inutile. Ah, bah le trépied, il est là. Vous foutez de ma gueule, monsieur. Bah oui, c'est ça. Heureusement, il est un petit peu con. Heureusement, il est un petit peu con. Dans la vitrine, il y avait un frêle trépied, tout rouillé et noirci par le temps. C'était la copie exacte de celui qu'on pouvait voir dans le manuscrit. Une carte indiquait qu'il datait du 15e siècle et venait d'Irlande. Il avait été trouvé à Lochmarne dans les ruines d'une commanderie appartenant aux Templiers. Ok, c'est pour ça Lochmarne. En Irlande. Que dites-vous ? Ce trépied a été trouvé en Irlande. Je vais vous demander de faire un peu moins de bruit. Oh, ça va. Excusez-moi, je me suis emporté. Ouais, donc ouais, c'est, je ne me souviens plus. En fait, c'est ça en fait. Je ne me souviens plus de d'où ça parlait de Lochmarne en fait. Pourquoi il s'est dit, tiens, je vais aller à Lochmarne et tout. Maintenant, on sait pourquoi il va aller en Irlande. Maintenant, on le sait. Ah, bah, c'est cool. Attends. Ah oui, je me souviens ce qu'il faut faire. La statue ne méritait pas d'être brutalisée par un béotien comme moi. Un béotien ? Ça veut dire quoi, déjà, béotien ? La vitrine contenait le trépied. Yeah. Allons, monsieur. Non ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne faut pas toucher aux pièces du musée. Désolé. Elle touche à ton cul, voilà. C'est une pièce du musée, ton cul. Bah voilà, tu la touches. Moi, j'ai le droit de toucher ça, alors. Hop là. Alors que je m'approchais de la vitrine, une sirène se mit à hurler. Je restais sur place, pétrifié, il appela très inquiet, essayant de paraître normal. Franchement... Allons, qu'est-ce que je vous ai dit au sujet des objets exposés ? Ça va, il est sympa. Hein. Quoi déjà ? C'était toucher tout ce que vous voulez tant que vos mains sont propres, non ? Pas vraiment, monsieur. C'était ne pas toucher, jamais, de la vie. Ah oui, c'est ça. Non, en fait, ça va, il est sympa, hein, ce gars-là, parce que normalement, il sera en mode, putain, vas-y j'appelle la police, non, non, non. Oh, monsieur, oh, vous avez déclenché l'alarme. Bon, que je vous y reprenne plus, hein, parce que sinon, hein, on peut faire ça à l'infini. Il y a Cléopâtre, là, il y a... Qu'est-ce que c'est, ça ? Attends, vas-y. Ah, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Laissez-la tranquille. Ah. Ce placard a plus de 3000 ans. Placard... Quel placard ? C'est un sarcophage. Une sarcophage, comme il a dit. Mais pas un, c'est une sarcophage. Oui, il me laissera pas y aller. Visiblement, il me laissera pas y aller. Il faut peut-être faire quelque chose pour ça. Parce qu'en fait, ouais, il faut... le seul visiteur d'autre musée, ce serait bête que je sois seul. Ben ouais. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Parce qu'en gros, voilà, il faut le distraire, je crois, pour qu'on puisse se cacher dedans et qu'on vole le trépied. J'imagine que ça doit être ça. Mais à moins que ce soit pas maintenant... Je n'étais pas encore un profanateur de sépulture. Ah, oh, pourquoi pas. Pourquoi pas. Écoute. Ah oui. Vas-y. Là, j'ai l'impression que la version PlayStation, ils se déplacent plus vite. Je sais pas si c'est moi. Ouh, 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 ouh. Attention. N'ouvrez pas cette fenêtre, monsieur.
Mais Vous ne pourquoi? trouvez pas que ça sent le renfermé? Je préfère être renfermé que mort. Qu'est-ce qui vous dérange? La fumée des voitures? Pas seulement, monsieur. Il y a un nouveau fast-food qui vient d'ouvrir en face. Bison il a. Bison il a. C'est Et Buffalo alors, Bill. ils font cuire leur hamburger en plein air et la Hamburger graisse tombe sur le en plein charbon. air. Vous n'avez pas idée de ce que sont Sur la bonne voie, de d'accord, ok. particules organiques et résidus de fumée. Depuis qu'ils ont ouvert, le taux de pollution a doublé. Et ça empeste comme dans un incinérateur. Comme si C'est pour Paris avait cela besoin de que ça je pour être garde les pollué. fenêtres fermées. Ici, les Parisiens se débrouillent très bien tout seuls. Attention. Hop Je là. bougeais la tringle. La fenêtre s'ouvrait sans problème. Hop, 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 hop. Il me dit rien là. Il m'est passé à travers. Je suis un fantôme. Vas-y, hop, 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 hop. Allez. Allez. Ok, on est bon. Let's go. Et tout va bien. Et vas-y, mais attends, mais il va même pas se dire, genre, il est passé où, quoi? Non, non. Oh non, rien C'est à foutre. ridicule. Je vais rester ici pendant des heures. Ah non. Ok, ben il n'a pas voulu. D'accord, bah c'est pas pour tout de suite alors. C'est pas pour tout de suite. J'ai la technique. J'ai la technique, mais. Bon, bah d'accord, bah, tant pis. Bon, bah tant pis, mais écoutez. Ah, je me suis pris un peu trop à l'avance. Peut-être qu'il faudrait dire ça à. Ah, comment ça s'appelle? À Nico, en fait. Lui dire, regarde, c'est Le Lockmar, quartier machin. était celui du manuscrit. Le Oula. lien avec les Templiers le confirmait. J'avais envie d'aller en Irlande pour vérifier. La musique est trop forte par rapport à ta voix. Ah, terrible. Terrible ça. Voilà. Let's go. Garde ça en tête, ça marche. Donc c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, ok. Ok, aéroport. Ah, je peux déjà aller à Lockmarn. Ah oui! Oh, let's go! Oh, let's go, Lockmarn! Ah. Let's go. Quelques Bon, heures plus Lockmarn. tard, j'arrivais en Irlande, l'île Ah, d'Emeraude. ça va vite, À hein. Dublin, j'avais eu la chance de trouver un bus qui allait vers le minuscule village de Lochmarne. Sur la route, le chauffeur m'avait indiqué qu'il n'y avait qu'un bus par jour. Ok, bah écoute, j'espère que tu trouveras ce que tu veux en un jour, parce que là, McDavid's Food, putain, trop bien. Je pensais que c'est plus loin, il y a le pardon. Ah ok, il s'en fout. Eh bah écoute, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas aussi mal avec le chargement des deux CD, ah bah oui. Ah bah tu m'étonnes, tu m'étonnes. Hop là, allez, let's go. Oup, oulou, oulou. Je tirais sur la trappe, mais elle était fermée de l'intérieur. N'empêche, les personnages de Point & Click sont tellement genre bizarres. Genre vraiment, les personnages de Point & Click. Genre tu. D'un coup d'un seul, tu vois le gars, genre, la bouche d'égout, il essaie d'ouvrir, même une petite trappe et tout. Il pose sans cesse des questions bizarres. Ouais. Tu m'étonnes. Hein. Tu m'étonnes que les gens ils prennent peur, quoi. Terrible ça. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Quoi? Comment tu t'appelles, petit? Pourquoi vous m'appelez petit? Qui êtes-vous en plus? Ah. Je suis George Stobart, ou je suis un inspecteur. Ah, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit qu'on est George Stobart? Ou est-ce qu'on dit qu'on est un inspecteur et tout, on se fait passer pour l'inspecteur Rousseau, quoi. Parce qu'on a sa carte, hein, je me semble, donc pourquoi pas? Pourquoi pas, en vrai? Vas-y, je voulais choisir. Attends, juste, je cherche un petit truc, vite fait. Poupoulou, poulou. Attendez. Être scindé une tête 7 minutes. C'est normal hein, si vous voyez pas le jeu. Ok. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. Hop là. Je vais lui dire la vérité. Ouais, ok. Ça marche. Je m'appelle George Stabbart. Je suis du côté des bons. Ah, le côté des Pour vous bons. faire examiner, monsieur. Ça a un peu surchauffé là-haut. Comment Bon, ça? assez rigolé. Ton nom? Tu en as Liam McGear. Pourquoi tu rôdes autour du bar, McGear? McGear. Je me suis fait la malle à cause de mon père. Tu as fait quelque chose Ah. d'illégal? J'ai rien fait, chef. Tu peux me le dire, petit. C'est à cause de ton père? C'est un pravro, monsieur. Le moindre penny, il le transforme en bière. Et il y a ma pauvre mère qui est au lit en train Over de meow. mourir à petit feu. Pour lui acheter des médicaments,
J'ai coupé du bois chez le père Mahoney jusqu'à me faire saigner les mains. Ce vieux Ritsu m'a arnaqué aussi. Mais j'ai ramené l'argent chez moi. Regarde, mum, je fais. Regarde ce que ton fils a gagné à la sueur de son front. Et voilà que mon père arrive et rafle tout. Alors, culé. Je vais à Dublin me bourrer la tronche, il fait. Surveille la maison jusqu'à ce que je revienne. Ok, ok. C'est pour ça que je me suis tiré. Quelque chose dans son air narquois me disait qu'il avait un peu modifié la réalité. À côté de lui, Rémi sans famille était l'enfant le plus heureux du monde. J'aime bien aussi parce que je sais pas si ça parlerait beaucoup aux Américains, mais Rémi sans famille, genre c'est typiquement une référence française qui marche bien chez nous. Genre je sais pas s'ils ont en anglais, je sais pas si c'est le même dialogue ou pas. Hein. Ça pour le coup, je n'ai aucune idée. Ok, bah vas-y, est-ce que tu veux amener le clown? Tu as déjà vu quelqu'un porter ça? Bien sûr, Rudolph le renne au nez rouge. Ah. C'est un nez de clown. J'ai failli être assassiné par le type qui le portait. Il fallait le dire aux flics? C'est ce que j'ai fait, ça ne les intéressait pas. Oh bah non. T'as vu ce mec? Tu as déjà vu cet homme? Quelle tête de pervers! Non, jamais vu. Quelle tête de pervers! Regarde ça, McGee. C'est une pièce d'identité, et alors? Tu as déjà entendu parler de Thomas Merlin ou de la Gruber Electronics Corporation? Non. Le truc qui sert à rien, genre, tiens, vas-y. Passe-moi ta main. Vous êtes malade? Allez, je vais juste te montrer un truc. Pas question, je fais pas ces trucs, moi. Le père Mahoney m'a dit que j'irais en enfer si je le faisais. Je veux juste te serrer la main. Bon, d'accord. Ah, let's go. Mais pour une fois que ça marche. C'est marrant, hein? J'ai rien senti. Pour une fois que ça marche avec quelqu'un. Putain, j'avoue. D'habitude, c'est à chaque fois, c'est genre, mais non, mais j'ai une excuse. Non, non. Resserre-moi la main. Pas question. Oh. Tiens, vas-y. Ce mouchoir te fait penser à quoi? À rien. Ok. Bon, on va parler de trucs intéressants. D'accord. À plus tard, petit. Non, merde. Ok, mister. Attends. On reparle. Salut, McGee. Quoi? Mais c'est quoi cette... Il y a une abus en deux secondes? Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait la voix de George? Quoi? Ok. Je sais pas s'ils sont trompés de... Que peux-tu me dire sur le château, McGee? Dans le doublage. Hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, est-ce que je peux y entrer? Non, c'est fermé. Quelqu'un y habite? Non. À part... Des quoi? Non, rien. Attends, tu me caches un truc, là. Il y a quelque chose sur ce château dont tu ne veux pas me parler? Ouais. Non? Qu'est-ce que tu me caches? Il y a quelque chose dont tu as peur? J'ai peur de rien. Mais si, t'as peur de ton père et tout. Ok, c'est ta dernière chance pour me parler du château. Dernière chance? Ah ouais? Et si je dis rien? Je te ramène à l'école. Il y a un fantôme. Un fantôme? On l'appelle le fantôme de Lochmarn. Ah. Vas-y, parle-moi de ce fantôme. Tu veux dire que tu crois au fantôme? Mister, je l'ai vu de mes propres yeux. Moi, je crois pas au fantôme. Mardi soir, je suis allé voir ce qui se passait avec toutes ces fous. Jamais trop cru à ça. J'arrive en haut du mur et j'entends ce bruit horrible. Même si il y a des trucs bizarres et tout. Et j'entends ce bruit horrible. Quel genre de bruit? Une espèce de ronflement. De grognement horrible. Comme le port de O'Brien, mais en pire. Ça venait de l'intérieur du château. Ah. On se souvient tous de ce que c'est. Tu as découvert d'où bien venait sûr, ce ceux bruit qui ont fait le jeu. Sûrement pas. Je suis resté là sur mon mur comme Humpty Dumpty. La lune était jaune et graisseuse comme une vieille assiette sale. Lune est graisseuse. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Lune graisseuse. Tu aurais pu cacher n'importe quoi. Je voulais rentrer chez moi, mais mes jambes refusaient de bouger. Ah, ça m'étonne pas. T'es un gamin. Tu as pu voir le fantôme. Mais si on dirait un camionneur. Oui, et il était horrible. Je me suis posé comme un camionneur, mais en fait, t'es un gamin. Et j'ai vu la lune disparaître. Alors, il est sorti de l'obscurité, dans des fripes toutes grises, voûtées comme un vieillard. Et là, j'ai entendu un bruit d'eau, des crachotements et ce rire horrible dans le noir. J'ai eu si peur que je suis tombé de ce foutu mur. Ok. Je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle. Mais oui, il y a toujours une explication rationnelle. Mais il y en a une. Ce foutu château est hanté. Mais non. Tiens, tu as vu un clown? Tu as vu un homme habillé en clown? Let's go. Ici, à Lochmarn, ils s'habillent tous comme des clowns. L'homme que je cherche est un dangereux maniaque. J'avoue, bon le gars, il passe... juste comme dans Pokélan. Le film que j'ai vu. C'est un clown qui veut la peau d'un gosse qui l'a vu tuer quelqu'un. Il veut la musique bien sûr, mais oui. Mais personne ne veut le croire. Et après, quand il est dans son bain, le clown le découpe avec une tronçonneuse. Quelle horreur! Et c'était autorisé aux enfants de ton âge?
Mais de qui vous parez? J'ai 25 ans. Tu ouais, veux non. Je suis sûr que tu n'es pas plus de 14 ans. Mais pas du ne tout. Ne dis pas ça à Sardoche. J'ai 25 ans. J'ai une voiture, une femme et 3 gosses. 10 gosses même, si on compte ceux de ma femme. Bien sûr, bien sûr. On dirait le français qui parlait à battre quand il était perdu. Ah oui, 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 je me souviens d'épisode, oui, quand il pleut et tout. Même qu'il est en France. Oui, oui, je me souviens de cette... la musique bien sombre, mais oui. À plus tard, petit. Ok, mister. Je me souviens de cet épisode. Là, tiens, on va rentrer dans le pub. Évidemment, qui dit Irlande dit pub. Oh. Et apparemment, c'est pas un cliché, c'est vraiment vrai. Il y a vraiment les Irlandais, ils sont souvent... voilà, quoi. Ils sont souvent... T'as lu, les dessine différemment, lui. Je sais pas si vous voyez, mais il est un petit peu moins bien dessiné. Beaucoup moins détaillé. Tiens, vas-y. Coucou. Ah oui, le ski intervenu à chaque fois. Je m'appelle George. Content de vous connaître. Je m'appelle Fitzgerald. Ah. Bonjour, Fitzgerald. Tu veux une bière? Je peux vous offrir un autre verre? Oh non, merci. Je devrais pas boire du tout. Je dois suivre un traitement contre le stress. Si je bois plus d'une bière, je vais m'évanouir. Oh, ça va. Ça va, une bière, tranquille. Que pouvez-vous me dire sur le château? Après, c'est que certaines personnes, ils ont beaucoup moins de... Il date de quand? Facilité à gérer l'alcool. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Vous avez déjà exploré le château? J'ai joué quand j'étais gosse. Mais un jour, un gosse de la bande est tombé du mur et il est mort. Ah, triste. Alors, on n'y est plus retourné. Vous n'y êtes pas allé dernièrement? Non. Ok. Bon, ok. Il y a beaucoup de personnages intéressants dans ce bar. Oui, 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 je me souviens de ça. Je me souviens de ce nez rouge vous fait penser à quoi? Tiens. Bah, du sang. Et pourquoi? Je saignais beaucoup du nez quand j'étais gosse. Ah. À chaque fois qu'il y avait une bagarre à l'école, j'avais toujours le nez en sang. Ce n'était pas grave, mais je ne faisais même pas partie de la bagarre. Ok, genre, il se battait, mais lui, il saignait du nez sans raison. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Non, je ne le connais pas, c'est certain. Regardez bien, il a une cicatrice au visage. Non, du moins je ne crois pas. Ok. Regardez cette carte. Regarde cette carte. Yeah, elle est à vous? Pas exactement. Yeah. Vous connaissez ce nom? Thomas Merlin. Non, on connaît pas. Ok, bon, ça vaut le coup de demander à chaque fois. Serre-moi la main. Serrez-moi la main. Vous préparez un sale coup, hein? Zut, vous avez vu juste. Oh. Ça ne marche avec personne. Encore. Serrez-moi la main. Vous préparez un sale coup, hein? Bon, zut. Okay. Et tiens, ce mouchoir sale, là. Ce mouchoir vous fait penser à quoi? Ah, moi, j'aime trop les dialogues. Moi, j'aime trop les dialogues de ce jeu, parce que du coup, je profite, hein, j'ai plein d'items. Plus tard. J'ai plein d'items, donc j'en parle. Tiens, là, toi qui fais du violon, là. Il n'écoutait pas. Ok, bon, bah, tant pis. Tant pis. Ah ouais, toi, là. Toi, là, papy. Vas-y, papy. Hello, vieille branche. Y'a pas d'éternuer. Voilà. Là, du coup, il parle pas. Il faut attendre qu'il boit. Il éternue. Quoi? C'est un terrible rhume que vous avez là. T'as encore la voix de Georges. J'avais à peine prononcé ces mots que je le regrettais. Est-ce qu'il existe des rhumes qui ne sont pas terribles? Terribles. J'ai interrogé le père Mahoney là-dessus. Je lui ai fait... Père, pourquoi devons-nous renifler toute notre vie? Qu'a-t-il répondu? Il a dit que c'est ce que je méritais pour être dehors toute la nuit, comme un pêcheur. Oh, tu dirais que tu sors la nuit, t'es un pêcheur, ben dis donc. Quel pharisien. En plus... Pharisien, on apprend des mots. C'est un rhume classique. Pharisien. C'est un rhume des foins. Une polynose. Merci. Vous n'êtes pas policier. Il n'y a aucun mot que je comprends, là. Polynose. Non, je le saurais. L'autre truc que j'ai oublié. Tiens, vas-y, t'as l'air sympa, je vais t'offrir une bière. Je peux vous payer une bière? C'est très aimable, mais je ne bois pas ce que vend Leary. Mais tu bois quoi, alors? J'ai vu les ravages que ça provoque. Ah, c'est dégueulasse. Ok, tiens, serre-moi la main. Et vous voulez me serrer la... non, finalement, laissez tomber. Ok. Ouais, non. Vu comme il est malade comme un chien, ce serait... Voilà. Un mouchoir de ce genre pourrait vous rendre service. Tiens. Non, je n'en utilise jamais. Ces trucs, c'est pas hygiénique. Ouais, c'est ça. Ah, mais genre, ah ouais, les mouchoirs, c'est pas hygiénique, mais si c'est neuf, si c'est pas utilisé, ça va. Ah, j'ai le seum d'avoir oublié le Scream Gartic. Ah, mais t'inquiète, demain après-midi, il y en aura un, à partir de 16h. T'inquiète pas. En tout cas, j'espère que ça va bien. Tiens, vous reconnaissez l'homme sur cette photo? C'est censé être vous. Bah non.
Non, je n'ai pas de cicatrices et je ne suis pas originaire du Moyen-Orient. Bah ouais, genre, je sais pas. Je ne peux rien voir sans mes lunettes. Ah, mets-les. Mets-les, tiens, prends sonner. Ce nez rouge signifie quoi pour vous? Vous ramassez des objets pour une vente de charité? Mais non, je veux savoir si vous avez vu quelqu'un avec un nez comme ça. Non. Oh bah, puis ça sert à rien. Tu sais, pour l'instant, il sert à rien. Vous pouvez me dire comment entrer dans le château? Inutile d'y penser, mon gars. Le château de Lockman est hanté. C'est ce que le gosse dehors m'a dit, mais je ne le crois pas. Alors vous êtes stupide. Bon, vous savez. Ils sont un peu superstitieux dans cette ville. Vous avez déjà vu le fantôme? Ça va? Yes, de mes propres yeux. Ah. Ah ouais, à ce point-là, ok. Vas-y, raconte. Vous pouvez me décrire le fantôme? Vas-y, raconte-moi. Il était horrible. Un monstre chétif et rabougris à long bec. Des ailes immenses. Vous êtes sûr de ne pas confondre avec un animal sauvage? Un lapin ou une moufette? Une moufette? À Lockman, ça me ferait mal. Ok, bon. T'as l'accent, le vieil accent qui l'empêche. C'était un fantôme, j'en suis sûr. Le fantôme. Ok, mais attends, qu'est-ce que tu veux de plus là? Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que ça me puisse me dire? Bah, je sais pas. Je crois que je sais ce que vous avez vu sur le mur du château. Mais je sais ce que j'ai vu. Je ne crois pas. C'était le gosse, Maguire. Quoi? Il était perché sur le mur mardi dernier. Et il a pensé que vous étiez le fantôme de Lockman. Putain, d'accord. Oh. J'avais pas pensé à ce rapprochement. Ah ouais. Quand tu discutes avec le vieil homme, tu découvres Star Wars en même temps? Comment ça? Les fantômes ne me gênent pas. Je veux quand même voir le château. Découvre Star Wars. Impossible! C'est fermé au public. Personne ne pourra m'en empêcher. Peut-être. Personne d'humain, en tout cas. Bon, t'inquiète. Y a pas de soucis. Un mouchoir de ce genre pourrait vous... À cause des positions? Je n'en eus... Je découvre Star Wars à cause des positions? Ah, les postillons, pardon, les postillons, ok. Ah, d'accord, ok, j'ai lu des positions. Il y en a à voir, ok. Bon, ben, au revoir, monsieur. À plus tard. À plus. Bon, ben, ils sont très... bon. Ça va, mais bon... Il y a encore 2-3 personnes à qui parler, mais bon, pour l'instant, ils sont pas d'une grande aide. Hein. Tiens, vas-y, toi, là. Je parlerai au barman à la fin. Hello, je m'appelle George Stubbard. Hello. Content de faire votre connaissance. Je suis O'Brien. Je peux vous aider? O'Brien. Ok, O'Brien. Veux-tu me serrer la main? J'aimerais vous serrer la main, monsieur O'Brien. Je ne préférerais pas. J'ai remarqué que vous avez un vibreur dans la main. Putain, mais ils sont forts, hein. Franchement, ils ont l'habitude. À ma vie, c'est le gamin à la Maguire qui fait comme ça, quoi. Que pensez-vous de ce mouchoir? Tiens. Je suppose que ce sont des traces de maquillage. Rien ne vous échappe, monsieur O'Brien. J'avoue, hein. Pour l'instant, c'est le personnage le plus terre-à-terre qu'on a vu. Pour l'instant... Que pouvez-vous me dire de plus sur le château, pas duré, monsieur O'Brien? C'est beau à voir, hein? Il remonte au 10e siècle, vous savez. Ah. La plupart des bâtiments qui restent ont été rajoutés bien plus tard. On peut visiter les ruines? Non, c'est bien trop dangereux. Dangereux. De toute façon, il n'y a plus rien à voir. Le trépied, vous vas-y. Vous savez quelque chose sur le trépied qui a été trouvé au château? Ça, c'est un grand sujet de discorde et de honte. Il a été trouvé par un de ces Anglais, un malade de l'archéologie. Comment s'appelait-il? Le professeur Pigram, celui qui a trouvé Pigram. La pierre précieuse. Il y a encore plein de trucs. Fantôme. Vous avez entendu parler du fantôme? J'ai entendu parler du fantôme. Mieux que ça, je l'ai vu. Et permettez-moi de vous dire que c'est une vision d'horreur. Tout le monde a vu le fantôme. Alors ce n'est pas une légende. Il y a vraiment un fantôme à Lockman? Mais non. Je parlais du fantôme de l'opéra. Oh, ok. So, tu es très con. Pas de soucis. Vous savez où je pourrais trouver Pigram? Vous arrivez un peu tard. Il est mort? Pas encore, mais il a quitté le village. C'est d'ailleurs une pierre dans le jardin de notre barman. Ok. Pourquoi l'hôtelier est-il si contrarié de la disparition de Pigram? Il a perdu un client, voilà pourquoi. Pire, okay. Il n'a pas été payé pour ses services. Ah ok, c'est un voleur. Cette affaire le rend malade, c'est compréhensible. Ah ouais, ok, donc le gars, même pas il le paye et tout, ok. Vous pouvez me parler du propriétaire? Alors t'es juste à côté, hein. C'est un homme qui pense être raffiné. Mais sa définition du raffinement, c'est de mettre du papier journal dans les toilettes. Ouais, bon, niveau raffinement, on a vu mieux. J'ai compris pourquoi il a fait ça. C'est bien trop sombre pour lire là-dedans. C'est cette voix-là. C'est vrai. Vous avez déjà passé la main sur une porte des toilettes. Mais j'ai même pas d'anglais, c'est de l'allemand, quoi. Les graffitis sont écrits en braille.
A Bry. La voix qu'il avait, c'était une voix d'allemand, c'était pas une voix de... d'anglais, genre... Peut-être que c'est expliqué. Savez-vous où est parti Pigram? Non, désolé. Il a levé l'ancre quand il faisait nuit et a pris le large avant l'aube. Pourquoi a-t-il fait ça? Qui sait? La culpabilité, peut-être, ou une mission secrète. En tout cas, il ne sera pas pleuré à Lochmann. Maintenant que les choses se calment avec cette pierre précieuse, tout va redevenir normal. Il y a eu vraiment une polémique. Et petit, quand j'étais j'essayais de rendre bourré le personnage principal dans GTA, mais impossible. Ah bah oui, non, ça c'est compliqué. Malheureusement, c'est pas que possible. Que savez-vous de la pierre précieuse que Pigram a trouvée? C'est une pierre précieuse à laquelle il ne fallait pas toucher. Il faut être terriblement cupide pour désirer ce joyau. Pourquoi vous intéressez-vous à cette pierre? Vous n'êtes pas un reporter, au moins? Non, je ne suis pas un reporter. Mais non, Dieu en soit loué. Ok. Ah, bon, c'était un bon mot, c'était pas nécessaire de mentir. Bon bah, bonne journée. Bon bah dans toi. Toi l'allemand anglais... Alors je m'appelle Stobart, George Stobart. On voit même pas sa tête. Hello mister, que puis-je pour vous? Ah là il a un accent anglais, ça va. Tout à l'heure il avait un accent allemand. Vas-y, serre-moi la main. Puis-je vous serrer la main? Je le ferai à tout le monde. Impossible. Ah non? Pourquoi? Parce que je vais renverser ma bière si vous le faites. Bah lâche-la. Est-ce que ce mouchoir vous dit quelque chose? Tiens, prends ce mouchoir. Non, mais vous devriez montrer ça à ma grand-mère. Elle pourrait vous prédire l'avenir avec ça. Grâce à un mouchoir sale? Bien sûr. Certaines voyantes lisent dans du mort de café. Alors là... Ma grand-mère, elle lit dans les mouchoirs. D'accord. Genre... Eh hey, tiens, grand-mère. Ah, mais très bien. Alors, ta morve, elle pointe vers le nord. Du coup, ça veut dire que tu auras de la chance aujourd'hui. Allez. Et oh, tiens. Ça, c'est pas la mort, ça. Mais pas grave. Ça veut dire que tu auras de la chance aussi. Ah, mais c'est terrible. Et Pigram. Vous connaissez le professeur Pigram? Professeur si Pigram. Si je connais ce beau vieux professeur. Non, ah. Pas du tout. Ah. Je veux dire que je connais son nom, mais je ne le connais pas. Ok. Bon. Ah, ton fruit de mer me définit beaucoup de choses. Aïe, aïe, aïe. Savez-vous quelque chose sur les fouilles de Pigram? Seulement Pigram. Qu'il n'avait pas les bons outils pour faire ce boulot. Ah. Ce qu'il aurait dû prendre, c'est des pelles et un boule d'or. Ah, c'est un petit peu détruit. Pigram cherche des vestiges historiques, pas du charbon. Ouais, voilà. Non, c'est vrai. Mais pourquoi faire? C'est ça l'archéologie, Pat. Comprendre comment les gens vivaient en fonction de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Un jour, des archéologues... Alors, O'Brien, il est vraiment bien. Moi, j'aime bien O'Brien. Vous imaginez ça, Mr. O'Brien? Je me demande ce qu'il trouverait. Je peux vous dire que ça ne sera pas des poches de flèches ou des vases. Plutôt des boîtes à hamburgers ou des capotes anglaises parfumées. Et comme il s'est retourné après, genre... C'est la voix, la tête qu'il a, en fait, on dirait pas qu'il... Je sais pas, sa tête, elle est bizarre. On dirait qu'il a... Regardez, O'Brien, par exemple, ça va, mais lui, on dirait qu'il a... Ils lui ont mis de... Je sais pas, de la... Il est tout luisant, c'est bizarre. Ta lumière, l'effet que ça fait. C'est vrai que Pigram a trouvé une pierre précieuse. Quoi? C'est la première fois que j'entends ça. O'Brien veut me dire. Où est-ce que tu débarques, Pat? Ah, voilà. De Lochmann à Ballydoon, tout le monde ne parle que de ce diamant. Voilà, merci. On ne m'a rien dit, le vieux Vena. C'est pour ça qu'il a déguerpi. Mais du coup, je disais, ouais, ça me fascine, du coup, tout ce qui est genre secret dans l'eau, dans l'océan. Sur Terre et tout ça, ça fascine vraiment beaucoup, hein, ce genre de choses. Et même si, bon, des fois, ça reste de l'archéologie, donc faut faire attention. Certains ici prennent de la bonne manière. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ça, donc... Tant que c'est fait, genre, pas détruire la Terre ou quoi... C'est toujours cool de découvrir des nouvelles choses. Est-ce que quelqu'un du village a travaillé sur les fouilles? Moi, j'ai voulu participer, mais l'autre grand Manitou historique a dit que j'étais un continent. Quel culot! Je suis sûr que j'aurais creusé plus de trous que toute cette bande de fainéants réunis. Ok, pas de soucis. Le château, Silo. Vous pouvez me parler du château sur la colline? Oh, je ne sais pas grand-chose. Il vaudrait mieux demander à Mr. O'Brien, là. Je vais parler il y a 5 minutes. Vous êtes un de ces passionnés d'histoire, vous aussi? Oui. Exactement. Professeur Stobart de l'Université de Dyslexie à Los Angeles. Non, mais vous non. Êtes archéologue? Et c'est avec nous que vous voulez parler du château? Excuse me, Mr. O'Brien. Oui, je suis passionné d'histoire, ça va. Lui, oh non, je suis pourquoi professeur d'université, mais... Mais non. Je ne savais même pas qu'ils étaient partis. Oh oui.
Ils ont emballé leurs pelles et leurs pioches et hop, il n'y avait plus personne. Yeah. Mince, j'ai manqué le meilleur moment. Ok. Bah... À bientôt, j'espère. À bientôt. Bon, il ne reste plus que le gars là, le barman, mais bon, pour l'instant, il y a quelques infos, mais bon, après... Je vous demande pardon. C'est comme ça que disent les Irlandais, non? Vous voulez quelque chose ou vous ne faites qu'étaler votre xénophobie? Ah ouais. J'essayais d'être sociable. Ah ouais, il est terme se lâcher. C'est une chambre que vous voulez? Non. Non. Non, merci, je ne compte pas m'éterniser. Oui, comme tout le monde. Les gens descendent, regardent Lochbourne et puis remontent vite dans le bus. Ouais, c'est pas un endroit... Attends, Lochbourne, il me semble que c'est fictif, ça n'existe pas, Lochbourne. Je pense que c'est inspiré de l'Irlande, machin chose. Mais je pense pas que ce soit un lieu... Je pense pas que ce soit... Véridique, quoi. Je pense pas que c'est... Je pense que c'est fictif, Lochbourne. On doit vérifier ça, tiens. Vas-y, on se serre la main. Eh, hey, barman, propriétaire, si ça ne vous dérange pas. Excusez-moi. Allez, serrez-moi la main. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous dissimulez encore? Mais rien. Allez, serrez-moi la main. C'est impossible, mister. Vous comprenez, les nouvelles mesures d'hygiène. Le Covid, oh, tout ça. Tiens, prends. Ce mouchoir vous dit quelque chose? Mais c'est dégoûtant. Bah oui, je l'ai trouvé dans les égouts. Alors pourquoi vous me l'agitez sous le nez? Mais vous êtes pire que le vieux Ron. Enlevez-moi ça. Encore. Ce mouchoir vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Ah ok, bon. Il a déjà oublié le mouchoir, ok. T'as vu cet homme? Vous reconnaissez cet homme? Non. Qu'est-ce que vous lui voulez? Ok, personne n'a vu. Je ne veux pas de problème dans ce bar, mister. Personne n'a vu, Cal. Si vous voulez de la castagne, adressez-vous au père Mahoney. Un ecclésiastique. Un prêtre. Le prêtre qui se bat. Oui. Et il prend le box aux jeunes du foyer. Selon lui, ça forme le caractère. Ah ouais, putain, je veux trop voir ce prêtre. Est-ce qu'il ne t'a pas enseigné l'art de la boxe? L'art de la boxe? Excuse-moi, Michael, j'étais loin d'ici. Qu'est-ce que tu disais? Ah ouais. Oh, laisse tomber. Très sale. Très, très sale. Très, très sale, effectivement. Très, très sale, ce mouchoir. Vous connaissez un certain Pigram? Oui, bien sûr. Vous ne seriez pas un ami à lui, par hasard? Non. Oh non, je cherche juste à savoir où il est. Moi aussi, cet enfoiré devrait être derrière les barreaux. Ouais, j'ai entendu. J'ai entendu pourquoi. Pigram est resté ici? Tout à fait. C'est un double dialogue de dans George. Dans la meilleure chambre de l'établissement. Celle qui a un lit. Ok. Puis-je voir la... Elle est occupée par un des frères de la maison de redressement. Ah, pas de chance. Les viennent chaque année se ressourcer ici. As-tu oublié de dire que c'est une source de bière, pas d'eau thermale? Pas d'eau thermale. Je ne peux pas déranger un homme de Dieu. Et encore moins une armoire à glace de la maison de correction. Tu as raison, Mick. Ce type pourrait passer Schwarzenegger pour une drag queen. Ah oui, bon. Il y a de l'humour qui passerait plus aujourd'hui. Oh, écoutez, c'est les années 90. Vous avez servi beaucoup de clowns ces temps-ci? Non, vous êtes le premier du jour. Ouh. Sérieusement, je cherche un homme habillé en clown. Est-ce qu'il a un petit chien blanc avec un bandeau noir sur Ah ouais. Le... Je ne crois pas. Ah ouais, mais... Pauvre George. Pauvre George, là. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Pauvre George, un petit coup dur pour George. Let's go. Que pouvez-vous me dire au sujet du château? Vous êtes la deuxième personne à me demander ça aujourd'hui. Amogus, comment ça, Amogus, tout ça? Je ne sais rien sur ce château. C'est qu'une vieille ruine, de toute façon. Ok. Tiens, le château encore, parle-moi du château. Qui d'autre vous a interrogé sur le château? Il a dit qu'il était reporter. Il a posé plein de questions sur les nains. Ah. Moi, j'aurais pu lui en raconter du bel sur les nains. Sur les nains? Je suis sûr qu'il aurait payé pour connaître mes histoires de famille. De toute façon, je l'ai foutu dehors. Tu as bien fait, petit. C'est comme ça qu'il faut traiter les journalistes. Petit, mais il... Pourquoi petit? Il est vieux. Il a la barbe et tout, ça va. Je pèse pas avec les bières. Ah ouais, let's go. Je vais essayer la bière, s'il vous plaît. Est-ce que c'est votre première pinte de véritable bière? Je pense. C'est quoi la véritable bière? De la bière brassée selon les méthodes classiques avec des ingrédients naturels. Elle ne doit pas être mise sous pression ni au réfrigérateur. Et pour finir, en gros, c'est la bière que j'ai achetée à Carrefour. Ne fais pas le coup. Ne fais pas le coup. Je l'ai achetée à Carrefour. En d'autres termes, elle est plate et tiède avec des morceaux dedans et elle vous file une grande claque sous la caboche. Bah, let's go. Vas-y. Allez, donne la bière. Donne la bière, vas-y. Hop là. Let's go. Merci.
Allez. Je voulais toucher la pompe, mais je réalisais soudain ce que la pompe, la bière. Un acte aussi insensé dans un pays étrange et aux coutumes bizarres pouvait provoquer ma perte. Prends la bière, la bière. Allez, bois. Ok. Encore. Allez, encore. Encore. Bois. Bois, allez. Bizarrement, je parvins à ingurgiter ce mélange épais et sucré. Quelque chose en moi me poussait à en commander encore, malgré les signaux d'alerte de mon cerveau. Ça, c'est l'alcool, George, ça c'est sûr. Excusez-moi. Ah non, là... Oui, mister? Je connais. Puis-je avoir une autre bière, s'il vous plaît? Mais certainement, la même chose... Elle est encore la bière, oui, let's go. Comment est-elle brassée? Ça, c'est le secret des maîtres brasseurs, mister. Chaque barrique est manipulée avec soin selon des méthodes... Ouais, vas-y, c'est ça, c'est ça. ...habilement suspendue à des cordes d'un chanvre de grande qualité... Ouais, comme tous les alcools, quoi. ...puis descendue dans le cave grâce aux forces de la gravité originelle. Une autre bière. Quelle une manne céleste. Oui, je veux juste une bière, s'il te plaît. Je veux juste une bière, c'est tout ce que je veux. Genre, t'imagines, tu vas commander une bière, le barman, il te raconte sa vie et tout, genre, bah oui, cette bière, descend Merci. Mes ancêtres et tout... C'est bon. Vas-y, hop là. Et vas-y, encore. Encore la petite bière, là. Hop là. Comme ça, tu vas vite pisser, là, Georges. Peut-être que tu pisseras les toilettes, comme ça. Est-ce que tu veux dire quelque chose, encore? Bizarrement, je parvins quelque chose... Encore, encore. Bon. On est assez bu comme ça, hein. Non, merde. Non, pas toi. Pas toi. Je parle à toi, là. Et placez-les, vos petits bourrés. Qu'est-ce qu'il regarde? Il a paniqué. Il regarde sa montre, il est paniqué. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez le professeur Pegram? Qu'est-ce qu'il regarde? Encore, il regarde... Qu'est-ce qu'il a regardé tout le temps comme ça, là, regarder sa montre? C'est l'archéologue, c'est ça? Tout à fait. Ouais, ben, let's go. On va parler de lui. Où est-ce que je peux trouver Pegram? Il paraît qu'il est à la pêche. Je ne sais pas où. Ok, c'est assez vague. Vous avez travaillé sur les fouilles de Pegram? Oh, qu'est-ce qui vous fait croire ça? La pierre, le diamant. Vous avez entendu parler de la pierre que Pegram a trouvée? Oui, une vague rumeur. Mais il ne faut pas croire tout ce que les gens disent. Ouais, lui, il est suspect. Vas-y, on serre la main encore. Serrez-moi la main. Vous préparez un sale coup. Zut, vous avez vu juste. Ok, tant pis. À plus tard. Et la plus. Et la plus. Ouais. Rien de plus à me dire. Attends, toi, est-ce que t'as pas un truc à me dire? Parce qu'il me semble qu'il y a un truc avec lui. Quoi? Voilà, exactement. Ça. Qu'est-ce que vous fabriquez? Un collier, mon garçon. Ah, d'accord. En fil de fer? Ok, c'est ça. Un collier pour ma toute belle. Elle sait que c'est bientôt la Saint-Valentin. Quand ma petite chérie le sentira autour de son cou gracile. Des fils de fer. Moi, rien que comme cadeau, un collier. Pas terrible, hein. Pas terrible. Genre, franchement, non. Des fleurs. Au pire, prends des fleurs. Si j'étais une femme, je n'apprécierais pas trop un collier. Ouais, non, franchement, non plus. Ce n'est pas pour une femme. Je m'intéresse à quelque chose d'un peu plus succulent que les femmes. De la chair tendre et douce, comme celle d'une vierge. Des os souples et blancs, comme ceux d'un bébé. Les lapines, mon ami. C'est ça qui me donne le cher de Tu es bizarre, monsieur, tu es bizarre. Tu as trop vu. Tu as trop bu et tu es malaisant. Tu es cringe. Tu es cringe aujourd'hui, monsieur. Plusieurs objets récupérés. Ouais. Déjà, le fil de fer, je pense qu'il faut le récupérer. Alors, vous faites des pièges pour les lapins? Tout à fait. Bah, dis-le comme ça, plutôt. Oui, et en gros, ces trucs sont terriblement douloureux. Seulement si je coince mon doigt dedans. Non, mais pour le lapin. Je parlais des lapins, ils doivent souffrir atrocement. Tu parles. Ok, mec. Vous connaissez Pegram, l'archéologue? Tu es bizarre. C'est le type famélique qui fouillait le château, c'est ça? Ouais. C'est bien ça. Non, je ne le connais pas. J'ai mis parce qu'à chaque fois qu'il veut parler, il éternue, il touche sa bière, hop, et après il recommence à parler. Il faut attendre la fin de l'animation. Vous ne saviez pas que Pegram effectuait des fouilles archéologiques?
Oh, je ne fous pas mon nez dans les affaires des autres. Ils ne m'intéressent pas. Encore Pigram? Vous savez, je pourrais trouver Pigram. Je vous l'ai dit. Je ne connais pas ce type. Oh, bon, bah tant pis alors. À plus tard. Il y a aussi le foulard au niveau du coude. Ah. Non, c'est vrai qu'il sort. Hop là. Dès que le vieillard tourne la tête, j'attrape le fil de fer. Voilà, regarde-moi ça là. Regarde-moi ça comment je suis fort là. Ok. Le fil de fer c'est bon. Après, attends. Ça c'est la bière. Ah ça, ouais, attends. Il y a ça. Le bras de l'homme était posé en travers de la serviette et je ne pouvais pas la prendre. C'est ça dans les polytechniques, c'est justement tu prends des objets mais tu sais pas à quoi ça sert. Pendant que l'homme soulevait son coude pour boire, okay, genre, même pas discret. De la serviette. Même pas discret, le Georges. Let's go. Let's go. Bon, bah... Let's go. Bon. On va voir un petit peu, on va revoir un petit peu le jeune, là, le jeune McGear. Peut-être que maintenant, comme on a des informations, peut-être qu'on peut lui parler, ou quelque chose du genre. Ok. Comme d'hab, les décors du jeu, ils sont beaux. Franchement, ils sont super beaux. Alors, McGear. Salut, McGear. Quoi? C'est toujours là-bas. Quoi? Pigram. Tu connais pas Pigram? Pigram. Vous pouvez me le décrire? Ça va te servir dans le bar, là, quoi. Okay. C'est un archéologue anglais. Je le connais si c'est de lui que vous voulez parler. Ah. Tu peux me dire où je peux trouver Pigram? Je ne peux pas parce qu'il n'est pas là. Si je le vois, je lui demanderai. Merci pour ton aide. Sais-tu ce que faisait Pigram au château? Il cherchait un trésor, de l'or et des squelettes, comme à la télé. Ah, mais en parlant de d'or, pas notamment d'or, mais de pierres précieuses. J'ai lu dans les journaux que Pigram avait trouvé un joyau légendaire. Hmm. C'est exact, on ne parle que de ça à Lochmarn depuis une semaine. Ah, c'est assez récent, vu, cette pierre précieuse? Ça, non. Je pense que Pigram s'est tiré avec. Si j'étais lui, j'irais à Amsterdam, je la couperais en morceaux et je la revendrais. Il vivrait comme Riley au lieu de creuser des trous. Comme Riley? J'ai pas la ref. Riley... Tu sais quelque chose sur les fouilles de Pigram? Mais pas vrai. Il voulait pas que je m'en approche. J'ai proposé de l'aider, mais il m'a envoyé Petre. Comme s'il m'intéressait, Petre. Son vieux trou puant. Ouais, ben, est-ce que quelqu'un du village a travaillé sur les fouilles? Pigram est venu avec des étudiants et d'autres miteux de l'université. Il devait penser que personne à la mon université à moi, mais ils font pas des trucs comme ça. Moi, je veux aller dans des trucs comme ça. Pour lui, c'est Sean Fitzgerald. Fitzgerald. Après, c'est une flaque de lait. Il n'a jamais vu les fouilles. Il se moque de vous, monsieur. Comment ça, il se moque de moi? Tu es sûr que Fitzgerald a travaillé dans les fouilles? Certain. Est-ce que j'ai l'air d'un menteur? Il m'a dit le contraire. Et ils étaient ensemble pas plus tard qu'hier soir. Pourquoi n'as-tu rien dit? Que faisait-il? Pigram a donné une boîte à Fitzy. Il n'avait pas l'air trop content. J'en étais sûr. Mais comment faire pour le convaincre de me la donner? Cassez-lui les doigts. Je ne peux pas faire ça. Allez, si. Merci de ton aide, petit, mais je vais essayer une tactique plus subtile. Lui arracher les ongles. Allez, let's go. De quoi Fitzgerald a-t-il peur? De tout et de tout le monde. Alors, ça devrait être facile de le faire parler. Il est bavard, mais il ne faut pas lui faire peur. Il faut y aller mollo, soyez cool avec lui. Ok. Y aller cool. À plus tard, petit. Lui faire peur, okay, mais... Ok, mister. Pas trop lui faire peur, sinon peut-être qu'il va paniquer, il va se défendre ou quoi, non. Pas physiquement, mais genre... mentalement, enfin... Il va parler de manière à se défendre. Merde, j'ai donné un coup au PC. Ça va mieux. Allez, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez, hop là. Hello. Hello. Bonjour. McGear affirme qu'il vous a vu travailler aux fouilles. En plus, il vous a vu discuter avec Pigram. Ouais, il dit rien. Ah, mais arrête. À chaque fois, il fait... Il finit son anime et après, on se regarde dans les tourniers, là. C'est un menteur. Il dirait n'importe quoi pour qu'on le remarque. C'est sa parole contre la vôtre, je suppose. Voilà. Maintenant, il faut... voilà. Tiens, regarde ça. Vous avez déjà vu cette serviette? Elle n'appartient pas au bar? Vous êtes très observateur. Tiens, prends ce fil de vous fer. Vous pensez que ce fil sert à quoi? Comment le saurais-je? On serre la main encore. Serrez-moi la main. Vous préparez un sale coup, hein? Oh. Suite, vous avez... Tiens, regarde ce vous mec. Vous connaissez l'homme sur cette photo? Non, du moins je ne crois pas. Tiens, je vais te frapper avec ça. Vous voyez une utilité à cet objet? C'est pour les chevaux? Faux, c'est pour soulever des plaques d'égout. Ah, vraiment? Oh, on en apprend tous les jours.
Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Non. Ouais, bon, là, j'ai tout utilisé, ça. C'est... Regardez cette carte. Yeah, pas exactement. Thomas Merlin. Non, j'ai utilisé ça. Bon. À plus tard. Comment est-ce que je pourrais lui faire peur? J'ai un téléphone, est-ce que je peux m'en servir? Je pense. Allô? Ah ouais, je peux m'en servir. Todrick. Inutile ombre de poche du barman, t'entends? Ouais, non, non, on va éviter. Tiens, Nico. Allô, Collard, j'écoute. Nico? Qui est-ce? C'est moi, George. Oh, salut, George. Où es-tu? En Irlande. En Irlande? Pourquoi? C'est une longue histoire. Pas de nouvelles de notre ami le clown? Tu blagues, il n'a probablement jamais entendu parler de Lochmarne. Ok, c'est tout, je pensais qu'il y avait... Regarde, le diamant, le trépied, non, non, rien du tout. Genre, ah bah oui, le clown... Non. D'accord, pas de soucis. Ah. Let's go, on va lui faire... Salut, je viens te voir. Monsieur? Attention. Hey, où vous croyez aller comme ça? Pardon? Pas de client derrière le bar, jamais. Oh. Je le faisais dans GTA San Andreas. J'y jouerai d'ailleurs GTA San Andreas. En live. Excusez-moi. Oui, mister? Lui. Vous connaissez bien Fitzgerald? Fitzgerald. Je le connais assez pour ne jamais lui vendre plus de 2 pintes. Il est comme un gosse quand il a avalé quelques bières. Ça ne m'étonne pas, il suit un traitement pour ses nerfs. Ses nerfs n'ont rien à voir là-dedans. Bah, c'est que selon la personne, on a une réaction différente à l'alcool. Tiens, je t'ai volé ça. Puis-je emprunter cette serviette? Bien sûr, mais à une condition. Qui est? Ne la passez pas au vieux Ron. Qui est-ce? C'est lui, là-bas. Bah, je connais. Avec le problème d'hygiène. Ok, tiens ce fil de fer. Est-ce que ce fil de fer vous dit quelque chose? Oh, Seigneur, cachez ça. Mais pourquoi? Ne faites pas l'innocent, mister. Ce que vous faites avec ce fil de fer, c'est votre problème. Mais laissez-moi en dehors de tout ça. D'accord, d'accord, d'accord. Encore une bière. Et si je prenais un autre verre? La même chose? Vous avez des cocktails? Non, mais j'ai des cocktails, si vous voulez. Sérieusement, vous n'avez jamais pensé à transformer Mac Davids en bar à cocktails? Les cocktails, c'est moderne, c'est chic. Et les jeunes aiment bien ça. Quoi? C'est encore le cas aujourd'hui. Dans le bar? Vous imaginez? Baby foot, cri et bagarre. Ok, je vois. Bah, il y a une brune. Let's go. Bon, on va éviter de trop boire de la bière. Hein. Enfin, genre, je sais, comme tu m'as dit, ça sert à rien, mais... Et voilà, quand même... je pense que là, genre, je l'ai assez bu. Merci. Est-ce qu'il y a pas moyen de... Non, je pensais genre mouiller la serviette, je sais pas. Et si je la passe au vieux Ron, justement. Juste pour lui faire chier. Juste pour lui faire chier, je lui fais ça. Mais bonjour. Mais bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Arrête d'éternuer, je veux te parler. Ça suffit. Quoi? Tiens. Vous voulez utiliser cette serviette? Oh. Je voudrais bien, mais après, vous n'aurez plus qu'à la jeter. Mais ça, tu connais ça? Tenez, ce fil vous appartient. Ah non, je ne l'ai jamais vu. Oh, bah, tant mieux. À plus tard. Tant mieux. Malheureusement, la bière est une des solutions pour lancer dans le jeu. Ah, bah, on va boire de la bière. On va boire de la bière, y a pas de souci. Hop là, let's go. Et hop, d'ailleurs, cette musique que je chantonne, elle est copyrightée, apparemment. C'est pas une musique de cirque, non, non, c'est juste... Elle est copyrightée, elle appartient à quelqu'un. Il y a des droits d'auteur. Excusez-moi. Oui, mister? Encore? Je ne veux rien. Prévenez-moi si vous... Bah, non, j'ai dit que je voulais de la bière. Excusez-moi. Encore. Oui, mister? Encore. Tavernier, encore de la bière. Oui, mister. Ah. Encore. Encore de la bière. Toujours plus de bière. Ok. Merci. Voilà de la bière. Attends, est-ce que je peux lui reparler? Il lui dit, tiens, il y a de la bière, vas-y. Oh, cadeau. Non, je pense pas. Arrête de regarder. Ça, c'est un petit peu chiant de prendre dans le jeu, c'est le fait qu'il faut attendre des animations pour qu'elles se déclenchent. Hello. Ah, non, non.
Il faut casser la pompe. Excusez-moi de vous dire. Ah bon? Bah alors, comment que je peux faire ça, moi? Avec ça, genre, boum! Allez, hop là, let's go, paf! On va voir, mais... Non. J'allais toucher la pompe, mais je réalisais un acte aussi insensé. Comment casser la pompe? Ah tiens, il y a un truc là-bas. Ah mais non, on peut pas. Boire et reboire, ah ouais! Putain, mais quand tu sais pas la soluce, tu dis, bon, bah quoi ça sert de boire de la bière? Et on reboit, let's go. Voilà, tu es bourré, Georges. Tu es bourré. Excusez-moi. Voilà. Oui, mister. Encore de la bière. Tavernier, encore de la bière. Oui, mister. Voilà, tiens, encore de la bière. Oh là là, mais ça me donne envie de boire maintenant. Ah, coucou, Serizawa. Que de douleur, c'est infâme, pourquoi me fait-on ça? Eh, je sais bien que ça donne envie, mais bon... La bonne bière brune, let's go. Merci. Vous êtes plutôt brune ou blonde? C'est la question. Allez hop. C'est de la brune, on a droit qu'à de la brune dans le jeu. Allez hop là. Encore de la bière. C'est sûr que c'est vraiment ça qu'il faut faire, boire et revoir. Mais je réalisais soudain ce que j'ai... D'accord. Excusez-moi. Tiens. Oui, mister. Oui, mister. Encore. Tavernier, encore de la bière. Oui, mister. Non, mais c'est sérieux, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Non, mais... Merci. Non, mais il y a forcément un truc à faire, je sais pas, genre... C'est un jeu qui raconte mon histoire. Ah, je sais pas, est-ce que tu es anglais? Et est-ce que tu recherches un clown qui a fait un attentat? Si c'est le cas... Je pense que c'est une biographie. Aïe, aïe, aïe. Attends, mais qu'est-ce que je peux faire avec cette bière, en fait? Qu'est-ce que je peux faire de la bière? C'était une serviette rectangulaire sur laquelle étaient brodés les mots. La bière Gopaline, c'est la forme. Ok. C'était la photo de l'homme soupçonné d'avoir tué Plantard, prise par Nico. Ok. J'ai un prénom américain, c'est presque anglais, et si je recherche un clown, bof, pourquoi pas? Ah bah écoute, dans ce cas, c'est une biographie. C'est une biographie, avec grand plaisir, c'est une biographie qui date des années 90, donc écoute, je pense que pour l'instant, c'est plutôt accurate. Allez hop. Non mais c'est bizarre qu'il faille faire ça, en fait, genre, boire en boucle. Genre, il y a un truc qui m'échappe, en vrai. Il y a peut-être un truc qui m'échappe, mais... Parce que là, c'est juste, je bois de l'alcool et c'est tout. Si jamais t'es des problèmes d'actuel jour, c'est ça quoi, c'est juste. Ouais. Tavernier, encore de la bière. Oui, mister. Ouais, y'a un truc que je manque. C'est pas possible, y'a un truc qu'il faut que je fasse. C'est trop bizarre. Le seul point positif que je vois ou que j'entends, plutôt, c'est le violoniste. Ah, ben en vrai, même niveau graphisme, ça va, c'est très beau. Franchement. Non, mais y'a un truc à faire, c'est pas possible, genre. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas? Parce que je ne sais pas où elle a traîné. Tiens, encore le mouchoir. Ce mouchoir vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Merci. Attends. Il y a un cendrier, il y a ça, ok. Le violoniste, il veut pas que je lui parle. Salut. Lui, est-ce qu'il faut que je lui reparle? Bonjour, mister. Tu veux parler de lui? Vous vous souvenez si vous avez vu Sean Fitzgerald sur le site? Voyons voir. Je crois que ma cervelle a besoin d'une révision. Ah, ok. Ok. Je peux vous offrir quelque chose? Avec plaisir. Lui à celui qui t'ennuie. Un verre pour mon ami, là. Il a réussi à vous extorquer un verre? Tu devrais avoir honte, Patrick. La même chose? Juste une pinte, cette fois, Michael. Une pinte de brune. Chaud devant. Il m'a déjà servi, ça va? Ok, donc ça servait à ça, de la bière. Ok. Pas de soucis. Pas de soucis. Vous vous souvenez de Sean Fitzgerald maintenant? Je m'en souviens comme si c'était la semaine dernière. En fait, c'était la semaine dernière. Ah, mais pas Fitzgerald était là-bas, c'est sûr, avec une bande d'étudiants. Il parlait avec le grand chef. Ok, je pensais qu'il allait me raconter plus de choses, mais non, juste... avec le grand chef, ok. Ben... Que pensez-vous de cette serviette? Oh, une des plus belles étoffes que j'ai jamais vues de ma vie. Là, une telle ici. Qualité ne peut venir que de la salle de bain du Vatican, je dirais. Je l'ai trouvé ici, au bar, sous votre coude.
Je savais bien qu'elle me disait quelque chose. Ah, j'adore. J'adore. À bientôt, j'espère. Tiens, vas-y, je vais parler à l'autre, peut-être qu'il veut me donner un indice aussi. Parle aussi, excusez-moi, mec, derrière. Monsieur O'Brien. Ouais, ce que je comptais faire, en vrai. Hello. Qu'est-ce que vous voulez encore? Tiens, cadeau. Cette serviette vous dit quelque chose? Bien sûr, elle appartient à Larry. Vous comptez la subtiliser? Seulement l'emprunter si vous voulez savoir. Allez, vous en direz moi. Bon bah, bonjour. Quand j'empruntais les stylos à des gens au collège, j'en ai dit, je te l'emprunte. Ouais. Elle a du grain déterminé, par contre. non, je finissais par les rendre. Mais en même temps, je me vengeais parce qu'en primaire, on faisait souvent ça. Oui, mister. Attends. Je ne veux rien. Prévenez-moi. Bon, je vais reparler au bigleux, là. Ouais, en fait, le but, c'est de lui faire peur, mais je sais pas trop comment pour l'instant. Genre, juste une serviette, je peux le fouetter à la limite, mais. Mais je sais pas, l'étrangler avec la serviette. Je sais pas encore, mais. Hello. Ah! Doyle m'a confirmé que vous avez participé aux fouilles. Il vous a vu là-bas, alors autant dire la vérité. C'est bien ma chance. J'attire les délinquants et les débiles. Je dois parler au professeur Pigou, s'il est toujours vivant. Que voulez-vous dire? Il est en danger? Oui. Vous aussi, d'après ce que j'ai compris. Jeter les trousses par la fenêtre au collège, disait les tâches. Non? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est vraiment... C'est arrivé... Je continue à toucher des allocations quand je travaillais pour Pigram. Pas la mienne, mais... C'est entre vous et votre conscience. Tout ce que je veux, c'est parler de la pierre à Pigram. Mais il n'est pas là. Du coup, le prof, il avait arrêté son cours et la CPE était venue... Et t'en, vas-y, celui qui, si vous dites pas qui c'est, ben je punis toute la classe, tout le monde a une heure de colle et tout. On a tous eu une heure de colle, voilà. Sauf moi, parce que la CPE savait que c'était pas moi, parce que je faisais jamais rien de mal. Voilà, let's go. Let's go, le favoritisme. Non. J'avais quand même eu une heure de cours, de colle, je crois. Bon, alors, où est parti Pierre? Alors, même si, voilà. Je ne sais pas, je le jure. Il est venu chez moi tôt ce matin, alors, il a dit qu'il partait. Hein. Ok, let's go. Ce que certains faisaient, c'est qu'ils retournaient les croix. Parce que c'était une école collège catholique. Il m'a dit de donner ce paquet à un type nommé Marc. Je voulais pas y aller, mais bon. Malheureusement, c'était soit ça, soit un collège pas ouf du tout. Et il y en avait certains, ils retournaient les croix. Il y avait plein de croix, genre, dans chaque salle de cours, et bam! Entre deux cours, les gens, ils les retournaient. C'était horrible. Ça se fait pas, mais bon. Montrez-moi ce qu'il y a dans le paquet, Sean. Allez, dans le paquet, montre-moi ton gros paquet. Pourquoi? Allez, j'ai joué au professeur. Vous aviez moins de scrupules avec les allocations de la sécu. Allez, il n'y a pas de mal à jeter un petit coup d'œil dans le paquet de Pigram. Allez, ouvre le paquet, là. Je n'oserais pas. Vous ne connaissez pas ces gens, je ne peux pas. Allez. Fitzgerald, je vous demande pour la dernière fois de me montrer ce paquet. Montre-moi ton paquet, j'étais là. J'étais calme jusqu'à présent, mais maintenant ça va saigner. Mais il va m'écorcher vif. Qui ça? Pas grave. Le type de Paris, Jacques Marquet. Pigram m'a dit que si je remettais le paquet sans l'avoir ouvert, tout serait terminé. Mais que si j'essayais de remarquer, il me tuerait. Ah, Marquet, on ne connaissait pas ce nom. Marquet, j'en fais mon affaire. Donnez-moi le paquet. Non, pourquoi je vous ferais confiance? Je ne sais plus à qui faire confiance. J'aurais préféré ne jamais avoir entendu parler de ce joyau. Oh, mais non. Mais non, pars pas. Oh, montre le paquet de cigarettes. Ah, si c'était seulement un paquet de cigarettes. Oula. On a entendu un bruit de voiture, là, qu'est-ce que c'était? Une voiture qui dérape. Hey, je viens de voir une grosse... Fous-moi le camp, McGear. Reviens quand tu auras l'âge. Qu'est-ce qu'il a crié, le petit? Qu'est-ce qui se passe? Une grosse voiture de sport rouge. Sean Fitzgerald a été écrasé. Ah ouais. Une grosse... J'ai vu une grosse bite. J'ai vu une grosse... Donner du cognac pour le une grosse... Ah oui? Et qui c'est qui la cinématique m'a trauma. Ah oui. Pas moi. Moi non plus. T'as vu, ils s'en battent les couilles qu'il est mort, hein, le gars, ou qui se fait écraser. Non, ils sont en mode, putain, mais vas-y, est-ce qu'il va me payer sa pinte, là? Attends, mais allez, mais... Attends, moi je fais confiance au petit. Mais si on dirige juste un nain... On va voir. Elle est où, le corps? C'était vrai ce que je vous disais sur Fitzy, mister. Allons, du calme. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là, bien peinard, quand j'ai vu cette voiture de sport rouge grimper la colline. Une voiture de sport en Irlande, comme ça, dans voilà un bled paumé? Faut que je vois ça de plus près.
Ah. Et voilà que Fiji sort du pub comme une fusée qui manque de me renverser. En tout cas, il est là sur la route et paf, la voiture lui passe dessus. Le vieux Fiji a rien vu venir, comme une crêpe il a fait. Il est parti en l'air, puis il est... Ça c'est les gens sur GTA Online, ça j'en connais. Bon. Et après, voilà que le conducteur sort de la voiture. J'en venais pas, dites donc. Ok. On n'a pas vu qui c'était du coup qui est sorti de la voiture. Il était habillé comme un fichu farfadet. Comme un farfadet. Est-ce qu'il avait un nez de clown? Tu as déjà vu quelqu'un porter ça? Non. Parce que le gars qu'on recherche, qui est le gars qui a fait l'attentat à Paris, parce qu'en gros, pour expliquer l'histoire du jeu, en gros, le personnage qu'on joue, il buvait un café tranquille à Paris, sauf qu'il y a un clown qui a posé une valise qui a explosé, enfin, un accordéon qui a explosé. Qui a causé un attentat et il se demande mais putain mais qui c'est qui a fait ça et comme il était impliqué que la police se fait rien ben lui il va s'en occuper. Le truc c'est qu'on sait pas encore trop qui c'est, donc pourquoi on fait tout ça dans le jeu, c'est pour le retrouver. Est-ce que le farfadet avait une cicatrice sur la joue? Et le gars qui a je fait pas voir, ça il, avait un il se déguise souvent débile. Vous êtes un agent secret? Désolé de te décevoir. Donc farfadet, je suis juste un type ordinaire embringué dans une tourbillon d'air. Que ce soit son frère, et un pote ou quoi. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que si, vous avez bu comme un trou au bistrot, là. Oui, c'est vrai, mais... verres. J'ai bu 4 verres. 4 verres de brune, et je suis encore sobre. Fitzgerald a laissé super sobre, donc franchement, bien joué. J'ai bien joué, Georges. J'ai pas vite. La même résistance, moi. Attends, du coup, est-ce que ça ressemblait à ce gars-là, là? Tu as déjà vu cet homme? Quelle tête de pervers! Non, jamais vu. En gros, ça, c'est une... C'est une photo du tueur, justement. Sans son masque, sans ses maquillages ou quoi. Attends, mais du coup, je pensais qu'il l'aurait reconnu, genre, si c'était lui. Après, peut-être qu'il n'a pas vu son visage. Ouais, je sais pas trop. À plus tard, petit. Ok, mister. Ok. Donc, le gars à qui on devait parler, lui faire peur. Oula, attends. Ça, c'était pas cassé tout à l'heure, du coup. J'abaissais le bouton, mais il se cassa. Ah, ok. Attends. Vas-y, est-ce que tu peux pas inspecter ça? Pas juste... C'était une trappe sur la chaussée. T'inquiète pas. Il n'y a pas un indice ou quoi? Comme dans South Park, vous savez, les frères à la gueule. Là. Je veux commencer à avoir un indice. Si vous avez la ref. Un indice énorme. Attends, du coup, il a touché un truc, ça a cassé. Est-ce que c'est du coup... Est-ce que ça a du coup un lien avec ce qu'il faut faire? Genre, attends. Est-ce qu'on peut lui parler déjà? C'est normal la fenêtre? Excusez-moi. Oui, mister? La fenêtre, c'est-à-dire qu'il y avait des ronds et tout. Je crois que c'est juste des motifs, c'était déjà là au début, donc. Je ne veux rien. Tente le truc des égouts, ça si vous changez d'avis. En vrai, ouais, je vais d'abord regarder la fenêtre. Bizarre. Et ouais, truc des égouts sur la trappe. Peut-être qu'on peut la casser ou faire un truc, je sais pas. On va voir. Tu sais que je pense, faudrait que je pense plus à utiliser les items. Bah attends. Ouais, non, ça c'est normal, on peut interagir. Je sais pas, c'est juste comme ça, c'est fait comme ça, je sais pas pourquoi. Attends, le truc des égouts. On va tester. Hein. On va voir, mais. Les barres pour les plaques d'égout étaient parfaites pour ouvrir la trappe. Ah, elles ah. avaient été spécialement étudiées pour ce genre de travail. Ah bah let's go. Malheureusement, merci. Il n'y avait pas le moindre trou dans la trappe. Oh. Il n'y a pas de trou. Bah attends, et si on refait? Non, on peut pas. Je tirais sur la trappe, mais elle était fermée de l'intérieur. Ah non, on peut pas. Est-ce qu'on n'aurait pas un autre truc? Je sais pas. Non, rien du tout. Ah, dommage. Vas-y, fil de fer, let's go. T'as même eu, il est en mode, qu'est-ce que tu me fais faire là? Je sais rien, moi. Est-ce que tu peux pas taper ce petit avec la barre de fer? Non, tu veux pas? Oh bah tant pis. Tant pis, il veut pas. Oh bah dommage. En tout cas, tu as fait un quart de la mission. Ah ouais? Je pensais pas que c'était aussi court en fait, ce passage en Irlande. Parce que je sais qu'on voyage beaucoup dans le jeu, mais. Et déjà pour moi, le voyage en Irlande, dans ma tête, c'était beaucoup plus lointain en fait. On va voir. J'allais toucher la pompe, mais... Ne touche pas la pompe de ce barbare. Excusez-moi. Oui, mister? On peut pas redemander de la bière, non? Je ne veux... Prévenez-moi. Ok.
Oh, Brian, peut-être qu'il y a un truc à me dire. Excusez-moi, mais... Hello. Ouais. Le garçon m'a dit que Fitzgerald est parti avec l'homme qui l'a renversé. Marguerite raconte toujours des histoires farfelues. Je ne sais pas d'où il les sort, de la télé peut-être, de ses illustrés. Si j'étais vous, je prendrais tout ce qu'il dit avec une poignée de sel. Une poignée de sel. Un petit peu de sel, s'il vous plaît. Ce que m'a dit Marguerite à propos de la voiture semble plausible. Il a dit que le conducteur était habillé comme un farfadet. Ce garçon vit dans un conte de Grimm. The Grimm. Ouais, c'est vrai que nous, on a l'habitude d'entendre parler du tueur qui se déguise plein de fois, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à finir la bière. Et hop là, une cinquième brune pour George Tobart. Combien de bières pourra-t-il boire? Let's go les paris. Enfin, en gros, à l'infini. À l'infini tant qu'on n'a pas réussi à résoudre le puzzle. Enfin, excusez-moi. Oui, mister? Encore une bière. Eh, hey, donne-moi une autre bière, mec. En fait, donne une autre bière à tout le monde. Allez, mes potes, c'est la fête aujourd'hui. Je crois que vous en avez assez, pas vous? Eh, écoute-moi, c'est normal, quel est ce goût? La bière brune de Gopaline il est complètement rebou. Est faite à partir des meilleurs produits chimiques du monde. Les meilleurs produits chimiques du monde, terrible. Ah. Je suis désolé, mais la pompe semble cassée. Je peux vous la réparer? Je ne pense pas, c'est un travail pour un professionnel. Ouais, le truc que j'ai cassé tout à l'heure en touchant le tabac à gauche, c'était la pompe. Lui. Ok. Ce n'est pas mon jour, on dirait. Ouais, non. Un de tes clients, il meurt, donc il ne peut pas te payer. En plus, ta pompe se casse. Merci. Attends. Non, non, c'est pas lui que je... c'est pas lui que je voulais... Merde. Ouais, bonjour, miss. Merde, non. Non, juste j'ai envie de lui parler de ça. Que savez-vous sur les farfadets, Doyle? Non mais... Farfadets? Pose une meilleure question, j'ai pas... Une de mes cousines... Que pensez-vous des farfadets? Mais... Alors, vous n'allez pas me faire croire ça. Je vous jure que c'est vrai. Elle s'est endormie dans un champ magique, vous voyez? Ah ouais, c'est ça. Quand elle s'est... Non, toi t'es bourré. Toi t'es bourré, j'ai pas envie de te parler. Ouais, c'est vrai que j'ai une carte technicien. Excusez-moi. Oui, mais... Vas-y, je peux essayer de me faire passer pour un technicien, vas-y. Eh bien, il se trouve que je suis électricien. Regardez ma carte. J'avoue. Ça alors, c'est fantastique. Bien sûr, t'as vu? La carte technicien que j'ai volée, ça me sert. Cet établissement est totalement hanté par des fils électriques mal embouchés. Et vous apparaissez, un petit électricien, avec ce carton en plastique pour le prouver. Bien sûr, c'est moi, c'est moi. Je veux quand même vous voir à l'œuvre avant de vous confier ma pompe à bière. Ah. Commençons d'abord par le lave-vaisselle. Ah non, mais ok, c'est genre juste, vas-y, t'es ma boniche. Oh, putain, le gars... Montrez-moi vos expertises, allez, c'est parti. Quand vous aurez terminé avec ça, vous pourrez jeter un coup d'œil à la pompe. Ok. Alors en fait, c'est ça avec les potes électriques, c'est que des fois tu te dis, mais pourquoi je dois faire ça? Et en fait, dès que c'est fini, tu te dis, mais oui, mais si tu es con, ça servait à ça en fait. Attends. Il n'y avait rien de cassé dans cette machine. Je sens qu'il faut utiliser le fil de fer ou un truc comme ça là. Non, non. Ça, c'est quoi? Prise. Débrancher, rebrancher. Je fais appel à toutes mes connaissances électroménagères pour examiner cette prise. Elle paraissait intacte. Voilà, l'expertise de Georges. Débrancher, rebrancher. C'est comme quand vous appelez SFR, genre. Est-ce que vous avez débranché la bonne? Il n'y avait rien de... J'ai pas trop regardé la soluce ou quoi pour l'instant. Juste, j'essaie de un petit peu de... De réfléchir par moi-même. Ok. Il n'y avait rien de cassé dans cette machine. Ben alors, il faut lui parler maintenant. Genre, eh bien. Eh bien quoi? Vous allez réparer la machine à laver ou pas? Ben oui, mais attends. Qu'est-ce qu'il cloche? Rien de cassé. Rien de cassé. Ah, peut-être pas le fil de fer sur ça, mais sur la prise en elle-même. Ah oui. Ok, c'était le contact qui marchait plus. C'est ça, en fait, le truc. Je remplaçais le fusible par un fil électrique. Je savais que c'était risqué, mais j'étais trop désespéré pour me soucier des règles de sécurité de base. Ouais, donc ça se trouve, le bar, il a voulu à cause de toi. J'ai réparé votre machine à laver les verres. Ouais, des fois, le son, il est un petit peu coupé. Une pinte de bière pour cet homme, dans ta machine et puis ben cadeau ça. De la maison. Ouais, bah c'était bien ça le fil de fer, d'accord. Vous pourriez jeter un coup d'œil au système de petite pression. Petite bobine Tesla. Je pense que oui, mais je ne vous garantis rien. Si vous n'arrivez pas à la réparer, il va y avoir une émeute.
La pompe est dans la cave, c'est ça? C'est ça. Vous trouverez une torche quelque part en bas. Bah, c'est vraiment le bordel, une torche et tout pour aller dans la cave. Bien, elle marche même pas. Alors, en même temps, c'est un vieux pub d'Irlande. Un petit peu abandonné, donc. Abandonné. Quel endroit stupide pour laisser une lampe. Une cave sombre. Tout ce que je pouvais faire, c'était me déplacer à tâtons. Ok. Vas-y, à tâtons, à tâtons. Tat-tat. GG, bah merci, merci. Je poussais le levier. Un craquement s'était fait entendre, mais apparemment rien n'avait changé. Apparemment. Je vois un truc ici. À mon avis, il fait trop sombre, donc il voit pas. Mais je vois un truc ici. Genre un truc qui dépasse, genre un truc à récupérer. T'as déjà dit une torche. Non, c'est pour remonter. Où est-ce qu'il l'a vu, sa torche? Attends. Peut-être qu'il faudrait qu'il regarde la trappe d'abord, genre un truc, genre, regarde, il y a un truc là en bas, et après il dira, bah oui, il suffit que j'aille dans la cave et que je récupère. Je sais que pour l'instant il l'a pas vu. Bah, vous savez qu'il y a aussi ce truc dans les hypothétiques où genre on se dit, bah oui, moi je l'ai vu, mais il faut que le personnage le voit d'abord, sinon, voilà. Nous on l'a vu, mais pas lui. J'aime trop la musique ici. C'est des petites musiques... Ah ben. Ah, c'était ça! Et une insupportable odeur de bière éventée me sauta au visage. Le truc qu'il a dit que ça a fait un petit craquement, c'était pour ça. Je regardais le sol en pierre là-bas. Ah bon. Il était beaucoup trop loin pour sauter. Ok, mais tu peux pas regarder un truc? Oh! Bonjour. Excusez-moi. J'avais ce drôle de nœud dans l'estomac, une douleur que j'associais habituellement à l'opéra comique. C'était Karn. Ah, le tueur. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques minutes? Non, quoi? Un homme a été victime d'un terrible accident. Je n'ai rien vu du tout. Et le garçon? Il n'a rien vu non plus. Et puis le gosse, vous savez, dans ces communautés rurales, pas assez de renouvellement génétique. Je priais pour que McGear puisse tenir sa langue. La victime est gravement atteinte? On s'occupe de son cas, mais on pense qu'il a laissé tomber un petit paquet. Vous ne l'auriez pas trouvé par hasard? Si c'était le cas, je l'aurais remis à la police. Bien sûr. Merci. Ok. Ça, il a bien géré, genre. Parce qu'en gros, ça, c'est le tueur. Donc on sait maintenant que c'est vraiment lui qui est en déguisant Farfadé qui a roulé dessus. On a la confirmation, mais en même temps, il n'y avait pas trop de doutes. Ce n'était pas mon sang-froid, mais mes jambes qui m'empêchaient de sauter. Elles refusaient de bouger. Ok. Bon, maintenant, il sait qu'il y a la trappe et tout. Peut-être qu'il y aura de la lumière comme ça. Et comme ça, il verra mieux le truc à récupérer. Donc en fait, le truc, c'est quoi? Le tueur, il nous... Justement, peut-être le paquet qu'avait le gars, là, quand on avait besoin, genre... On lui demandait, vas-y, donne-moi ton gros paquet. Et il me disait, bah non, je veux pas. Et du coup, il est tombé en bas. Peut-être c'est ça. On revient à la cave. Oui, t'en fais pas. Après, ouais, j'aimerais bien aussi un petit peu réfléchir de moi-même. Un petit peu, et après, si jamais je galère trop, je vous dirai... Ah, ben. Je remarquais alors une lumière scintillante derrière la trappe. Il y a beaucoup plus de lumière maintenant, ça va. Bah c'était ça. Le paquet. Qu'est-ce qu'il y avait dans le paquet? C'était le joyau de Pigram. Ah, le joyau, il est là. Une bleue qui n'avait pas été taillée. En l'examinant, j'ai compris la fascination qu'elle pouvait exercer. Je me demandais si elle m'avait déjà envoûté. Ok. Vous l'avez trouvé? Quoi? Je ne sais pas. Ce que vous cherchez? Oui. Oui, écoute, McGear, tu peux garder un secret? No problemo. Refile-moi juste une bière. Pas question, tu es trop jeune. Bah oui. On pourrait la vendre et se faire du blé. Laisse tomber, petit. Je ne sais pas faire ça, Mr. Ouais, non. Moi, si. Ce vieux grincheux le mérite bien. Si tu veux m'aider, continue à regarder si tu vois le type en costume. D'accord, mais ça vous coûtera un paquet de chips. Écris fort si tu vois la Ferrari. Est-ce que... En tout cas, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il cite des dessins animés, des films, des marques, justement. Et ça ancre le... Tout ça, et le récit réel, c'est bien pensé. Hop là. Bon, ça marche, ok. Je fermais le robinet aussi fort que je pouvais, mais il continuait à goûter. Ouais, ça c'est un problème. Ok. Bah, c'est encore sa pompe, la là. Boîte était trempée et pourrie. Inutile. Ok. Je regardais les produits ménagers, mais rien ne m'était utile. Non, il y a... Ouais, non, il n'y a rien d'intéressant. Bon, bah, au final, il n'y a rien qui... Ouais.
Si je refais ça... Oh, on peut plus. J'essayais de tirer le levier, mais il refusait de bouger. Ok, donc ça c'était pour la trappe. Je pensais que c'était pour la pompe. Ça non, mais non. D'accord. Après le truc, c'est sa pompe. Qu'est-ce qu'on peut lui faire avec sa pompe? Bah je pense que c'est réglé, non? Dès qu'il sort de lui-même... Oh bah d'accord. Attends, on va lui reparler pour être sûr, mais... Je pense qu'il peut pomper maintenant. Excusez-moi. Vas-y, pompe, mon petit. Oui, mais... Mister... Bah, je pense que c'est bon. Hein. J'ai trouvé votre lampe de poche. Je vois. Vous feriez mieux de la garder jusqu'à ce que vous ayez réparé la pompe. Ah, bon bah ok, il faut réparer la pompe. Putain, mais non, je veux pas... Vous connaissez cette pierre précieuse? Quelle splendeur! Vous aimeriez que ce soit une vraie, hein? Ouais... on sait bien que c'est une fosse, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est une fosse, tout le monde le sait. Non, mais attends. J'avais un acte aussi insensé. J'ai envie d'aller voir le petit. Je sais qu'il y a l'histoire de pompe et tout, mais il y a un truc qui... que j'ai pensé. Déjà, parce qu'on parlait d'ailleurs du château au départ. En vrai, voilà, pour expliquer pour ceux qui n'étaient pas là, pourquoi on va en Irlande. C'est en gros, le tueur est intéressé par des trucs liés aux Templiers, on sait pas encore trop quoi. Et sur un manuscrit des Templiers, il y avait le trépied, qui est dans un musée dans le jeu. Et avec le trépied, il y avait une pierre précieuse. La pierre précieuse, on l'a trouvée. Mais on n'a pas encore trouvé le trépied. Enfin, le trépied, on n'a pas pu le récupérer pour l'instant. Maintenant... la pierre précieuse était trouvée dans un château. Le château... Voilà, c'est ça. On peut y aller vers là-bas. Ok. Let's go. Bonjour, toi. Salut. Vous parlez en quelle langue? Celle des débiles. Puisque je vous réponds, vous êtes du genre à penser que débiles. Les agriculteurs sont illettrés et analphabètes, c'est ça? Je lui lançais le regard que j'avais perfectionné à 12 ans pour devenir le plus grand hypnotiseur de tous les temps. Ça marchait à tous les coups. Vous essayez de m'hypnotiser ou bien vous êtes atteint de constipation chronique? J'aurais peut-être dû m'exercer plus souvent. Ah, bah, let's go. Alors, le rituel. Vous voulez me serrer la main? Pourquoi ces trucs en forme ne me plaisent guère? Ok. Parce qu'en fait, on a un truc pour électrocuter, mais voilà. Tiens, tu veux mon mouchoir sale? Que pensez-vous de ce mouchoir? Quelle vision d'horreur! Oh, ce n'est que du maquillage. Je suppose que ça le rend moins sale. Je m'en souviendrai la prochaine fois qu'on se plaindra de l'état de ma serviette de table. Let's go. J'adore ce perso. Vous reconnaissez l'homme sur cette photo? Bien sûr. Mais je ne lui ferai pas confiance. Ses yeux sont trop rapprochés. Ah, mais juste sur le physique. Ce n'est pas un ami à vous, au moins. Ce n'est pas un ami à vous, au moins. Oh non, loin de là, je crois que ce visage est celui d'un meurtrier. Je le savais. Des yeux de cochon. Faut pas leur faire confiance. Ok. Allez, on va parler de... Voilà. Vous avez vu le professeur Pigram? L'archéologue qui a trouvé la pierre. Il a fait ses bagages et il est parti. Vous ne sauriez pas où? Il est retourné en Angleterre, sans doute. Ok. Vous pensez que la disparition de Pigram est liée à la malédiction? Il faut être lucide, il déterre la pierre précieuse et paf, il disparaît. Pas besoin d'un diplôme maths pour comprendre cette énigme. J'aime trop savoir. Inutile d'être un génial Pythagore avec un ordinateur. Quoi? Je suppose que non. Pigram s'est tiré avec le diamant. Ok, ok. Vous n'auriez pas le diamant, je l'ai. Le sport rouge dévalait la route. J'ai aperçu un objet rouge sur la colline et j'ai entendu quelque chose. Un bruit terrible même. Une voiture de sport, vous dites? Une Ferrari, pour être précis. Une voiture de course? Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Le pauvre gars avait dû se perdre. Ouais, ou il a écrasé un gars, on sait pas. Le conducteur de... C'est vrai? Oui, il a renversé quelqu'un qui sortait du bar. Quel imbécile! Comment est-ce possible? Il allait trop vite. Tellement vite qu'il est passé sous la voiture. Il a dû être bourré, hein, je pense allait ça. Allait trop vite. Mais l'autre idiot aurait dû... Mais comment il arrive à faire une voix comme ça? Terrible. Peut-être que vous connaissez le gars qui a été renversé. Il s'appelait Sean Fitzgerald. Oui, je le connais bien. C'est mon neveu. L'idiot qui a entassé le foin n'importe comment. Il a été tué par la voiture. Ah non, il semble qu'il n'ait rien eu, mais on l'a kidnappé. Voilà deux nouvelles excellences.
Il s'en bat les couilles. Vous n'allez pas rechercher votre neveu ? Pourquoi donc ? D'après ce que vous dites, il est trop tard. On pourrait au moins le signaler à la police. C'est le mec le plus responsable au monde. Et qu'est-ce que ça ferait ? Il pourrait lancer des recherches. Ils n'ont qu'une bicycle comme moyen de transport. Dans un cas pareil, je miserai plutôt sur la Ferrari gagnante. Ok, mais t'as la pire personne du monde, quoi, c'est terrible. Il faut que je vous dise dans quel pétrin Sean s'est mis. Je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Mais vous êtes son oncle, son sort ne vous intéresse pas? Si, mais qu'est-ce que je peux faire? Si je m'en vais, il y aura bien débile pour grimper sur le tas de foin. C'est un vrai dilemme. T'inquiète, je peux être un débile et monter sur ta foin. Certification agricole potentiellement mortelle ou partir à la recherche de mon neveu prodige, celui qui est responsable pour tout ce souk. Ça mérite réflexion. Pourquoi? T'inquiète, je vais garder ta troupe de foin. Vous avez raison. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? T'inquiète, je vais garder... Nous allons démolir cet entassement. Attends, on va encore parler de ça. Inutile de démolir les bottes de foin pour partir à la recherche. Voilà, t'inquiète, je regarde. Je vais rester ici et je préviendrai tous les gens assez stupides pour vouloir grimper. Génial! Je vais commencer mes recherches. Ah, mais pas si responsable au final. Bon, après, il y a deux secondes, il disait « Ah, je ne peux rien en faire, je m'en bats la couille. » Et maintenant, « Ah, mais bien sûr, je vais rechercher. » Je vais partir en direction de McDevitt, puis je me concentrer sur cette terrible meule de foin. Ouais, parce qu'en gros, on doit enquêter justement dans le château. Là, comme c'est bien fermé, avec cette main là qui fait « Bon, viens mon chou, allez, viens. Viens mon chou. » La main à gauche, là, pour aller à gauche. Allez, on va grimper, hein. Let's go. En gros, on doit un peu, mais c'est le seul moyen d'entrer pour l'instant. Ah. Est-ce qu'on peut... La meule de foin était plus basse que le mur. Même en me mettant sur la pointe des pieds, le mur était trop haut. J'aurais voulu être comme Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que tu peux... Peut-être pas. J'allais dire que tu coinces ça dans le mur et tu... Voilà. Non, ça aurait été trop de poids pour le machin. Attends, si je refais ça. Ouais, non. Okay, il va tomber. Allez, encore. Allez, tombe. Tombe. Attends. Peut-être qu'il y a un autre trou ou je sais pas. Il y a un truc... je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec ça. Je sais pas, je m'en souviens d'un truc comme ça à faire. Non. Si, tu vas voir. Attends, je cherche un endroit... Ah, là ! Regardez ça. J'insérais le bout de la barre en métal dans la fissure. Voilà, let's et go. Je poussais fortement. Elle dépassait du mur en formant une espèce de marche. Ok. Ah, bah c'est bien passé. Je tirais la barre, mais elle est... Oh, bah adieu l'item. L'item, c'est fini, toi. Ah bah heureusement que c'est résistant. Ah bah voilà, bah c'est bon. On a trouvé l'endroit. Ok. Ah, le moment qui a marqué tout le monde qui a fait ce jeu. Le moment qui a marqué tout le monde. Toutes les personnes qui ont fait ce jeu, le moment qui a traumatisé les gens parce qu'ils savaient pas quoi faire. Et en même temps, la solution, elle est tellement débile, je trouve. Peut-être pas débile, mais... compliqué à saisir. Genre, en gros, je dois aller là. Le souci... Ah, c'est ça, le souci. Donc, on peut se dire, mais attends, mais comment ça se fait? Ah, mais du coup... Ah, merde, il fallait cliquer. Sinon, il serait resté comme ça toute sa vie. Mais non, mais... Relève-toi, donc. Alors, vas-y. Sauvegarde au cas où. Elle peut tuer. Attends. C'est quoi la touche pour... Ah voilà. Sauvegarder. En plus, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé. On sait jamais. Voilà. Attends. Hé, hey, l'immonde Raymond. L'animal jetait sur moi un regard démoniaque. Derrière la méchanceté et la haine, il y avait une froide intelligence. Comment ça va, ma fifille? Je me sentais autant en danger que lorsque j'avais rencontré l'assassin et ses malfrats à Paris. On va ici. Ok, je me souviens de la soluce. Attention, regardez bien la soluce. Attendez.
Vous allez voir. Attention. Et... attention, allez, hop là. J'ai cliqué à gauche. Et... voilà, c'est ça la solution. C'est impossible. Franchement, c'est... prise dans la charrue. Comme tout peut être de clic, il y a des fois des énigmes avec des solutions... impossibles. Ou genre vraiment, il faut vraiment cliquer partout pour savoir. Ça, c'est... heureusement que je m'en souvenais. Parce que j'ai vu ça, qu'on pouvait interagir. En gros, cliquer comme ça pendant que je me prenais le coup, ça a fait en sorte que George court. Pour une raison ou pour une autre, cette fois-ci, il va courir et pas juste marcher. Et voilà. Attends, est-ce que je peux la narguer ? Allez, j'ai envie de narguer la... Quel plaisir. Ah ouais, quel plaisir de l'avoir comme ça, franchement. Hé, hey, l'immonde Raymond ! La chèvre me répondait d'un regard glacial et pénétrant. Ah, let's go. Hé, hey, l'immonde Raymond ! Voilà, ce passage a traumatisé tout le monde parce que personne ne connaissait la Solus. Parce que la Solus, franchement, elle est expliquée nulle part, il n'y a aucun indice. C'est vraiment genre... tu te démerdes. Dans tous les poététiques, il y a un truc comme ça, mais là... bah non, c'est chaud. Allez, let's go. J'aime bien cette séquence animée et tout. Ok. Il y a un mausolée sous le château, quoi. Et hop, j'essayais en vain de bouger le panneau. Mais pas de panneau ? Attends. Mm-hmm. Je plaçais mes doigts et mon pouce dans les cavités, mais rien ne se passa. Il y a ça ici. Qu'est-ce que c'est ? C'est du plâtre ? C'est de la farine ? Qu'est-ce que c'est ? De la farine, il y a 300 gens. Quand je plongeais mes doigts dans la fine poudre blanche, je compris ce que c'était. Du plâtre de Paris qu'on utilisait à la maternelle pour créer des empreintes de pas d'animaux. Je faisais pas ça à la maternelle, moi. J'avais fait un portrait de moi avec de la peinture. Je l'ai toujours là-bas, d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, je le montrerai. Mais quand il a dit poudre blanche, je pensais que c'était autre chose. Le seul objet intéressant sur la table était un petit sac. Ok, prends encore. Encore de la poudre je blanche. Je plongeais ma main dans le sac, mais il était vide. Ah ok, il a tout vidé, d'accord. Ok. Mais c'est ça les potes, qui quand on prend des trucs, mais on sait pas à quoi ils vont servir. J'essayais en... ok. Quelqu'un avait gravé un dessin de 5 trous sur le mur. Ok. Attends, est-ce qu'on peut pas regarder avec la lampe torche s'il n'y a pas un truc. Vas-y. Non. Est-ce qu'il faut pas mettre le plâtre dedans ? Non. Peut-être qu'il faut mettre le diamant dedans, peut-être. Il y a dû un indice de la phrase. Ah. Attends. Le seul objet intéressant sur la table était un petit sac. Un petit sac. Vas-y, mets le joyau dedans. Non. Je sais pas. Regarde dedans le sac, peut-être. Avec la... non, pas avec ça. Avec la lampe torche, je sais pas. Non. Attends. Ouais, empreinte, ouais. Il y a un truc avec les empreintes. C'est un truc qui me... Je plaçais mes doigts et mon pouce dans les cavités, mais rien ne se passa. Qu'est-ce que je pouvais faire avec ce plâtre ? Attends. C'était une poignée de plâtre laissée au château par l'équipe archéologique de Pigram. Ok. Empreinte. Avec du plâtre, tu peux voir les empreintes. Les empreintes de quoi ? Non. Non, je sais pas. Attends. Oui, c'est... non, ça c'est la table. Ça c'est le sac. Ça c'est mon cul. Ça c'est l'échelle pour remonter. Il y a ça que j'ai touché mais qui veut pas. Là, il y a peut-être un truc par terre, je sais pas.
Ah bah oui. La statue était trop lourde pour être tirée hors du sable. Qu'est-ce que je peux faire avec cette statue? Oh. En remettant la pierre debout, je remarquais qu'elle avait laissé des trous dans le sable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce trou? De ces trous. Je plaçais mes doigts dans les 5 cavités créées par la chute de la pierre. Bizarrement, elles correspondaient parfaitement. Ah. Attends. Je plaçais mes doigts. Il y a 2 endroits pour placer ces doigts là. Vas-y, un peu de poudre, plein de plâtre, mets-le dedans. Je sais pas. Ah oui, c'est ça. Mais attends. Je répandis le plâtre sur le sable jusqu'à ce que les trous soient pleins. Pourquoi je fais ça? Pourquoi tu fais ça, Georges? De toute façon, je sais pas encore pourquoi je fais ça. Je mélangeais le sable au plâtre. C'était la première fois que je bricolais. Ok. Pourquoi tu fais ça, Georges? Je mélangeais le sable au plâtre. Oui. C'était la première fois que je bricolais. Ok. Refaire tomber, peut-être? Je sais pas. Non. Je plaçais mes doigts et mon pouce. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Shit. Here we go again. Ouais, here we go again. Qu'est-ce que je suis censé faire? Genre, à quoi ça a servi de faire des trous et mettre du plâtre dedans? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi, le jeu? Attends, c'est quoi cette énigme? Je suis sûr que ce sera logique si jamais on trouve, mais attends. Est-ce qu'il faut pas mélanger le plâtre avec encore plus de plâtre? Tiens. Les cavités étaient déjà pleines de plâtre. Ah, bah écoute, on t'écoute, Serizawa. On t'écoute. C'était une bonne nuit, j'ai bien essayé de vous faire passer. Pouf souffle, la meilleure maison qui existe. Ah, bonne nuit, Serizawa. Et c'est vrai que Pouf souffle est souvent sous-estimé, notamment par ceux qui ont vu que les films. Mais du coup, oui, je jouerai à Hogwarts Legacy vendredi quand je le recevrai. Enfin, si je le reçois vendredi. Et non, samedi, j'y jouerai. Et dimanche aussi. Et je prendrai, je pense, Serpentard. Voilà, je prendrai Serpentard. Parce que j'ai une tenue Serpentard, voilà. Mais Pouf souffle est dans mon cœur, promis. Promis. Bonne nuit à toi, merci d'être passé. Merci beaucoup. Mais c'est que Pouf souffle est très souvent sous-estimé, hein, franchement. Parce que dans les films, souvent, ils se font passer pour des cons et tout, mais en vrai, déjà, ils sont à côté des cuisines. Puis voilà, ils sont très très bien. Ils sont très très bien, Pouf souffle. Parce qu'attends, attends. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc avec la pierre précieuse? Parce qu'à quoi elle servirait la pierre précieuse, en fait? Non. Lui-même, il fait, t'es con. Il me dit, mais non, mais tu fous quoi? Tu fous quoi? La lampe torche, peut-être qu'il y a un truc à voir. Je sais pas, il y a eu des trous. Non. La serviette. Non, pas la statue, ça. Peut-être que sinon le mouchoir sale, je sais pas. La serviette, ok. Je pressais la serviette très fort, mais elle était à peine humide. Ok. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je mélangeais le sable au plâtre. C'était la première fois que je bricolais. Ok. T'as essayé de recommander que j'ai écrit Hogwarts Legacy. Mais ouais, en même temps, tout le monde l'a reçu. Tout le monde a y joué en avant-première. Donc... Ah, c'est sûr. Maintenant, tout le monde va y jouer. Vous n'allez plus pas vous y échapper, franchement. Et même moi, je vais y jouer parce que si j'ai joué au jeu Harry Potter jusqu'à très récemment, c'était pour me préparer à ça. Donc après, j'ai pas à faire tout le jeu en live, je pense. Il manque de l'eau. De l'eau du robinet qu'on trouve dans la cave du bar. Ok, donc... Mais en fait, j'essaie de comprendre. Pourquoi mélanger l'eau au plâtre, ça va faire quelque chose là où il y avait du trou, un trou. C'est ça que je me demande. C'est ça que je me demande, en fait. À quoi ça va servir? Parce que, ok, c'est un truc millénaire par les Templiers, machin, mais... What is the logic? What is the logic? Je me demande. Voilà, hop. Allez, hop. Voilà. Tu verras, bah écoute. Je me cure pas le nez, hein, si vous demandez, c'est juste que j'ai un bouton. Let's go.
Ah, des fois, les boutons, on se demande comment ils viennent. Genre, on se lave le visage, y a pas de souci, et bam, il y a des boutons. Ok. Et hop, pop, pop, pop. Et on va mouiller la serviette. Ça, du coup, il va m'attendre, lui. Hein. Ah, bah, le père est là, tiens. Enfin, l'oncle. Ouais, bon, pour l'instant, tu m'intéresses pas. Hein. On dirait qu'il a été rajouté à la toute fin. Genre, il bouge pas et tout, il fait rien du tout. On dirait une statue, en fait. Je sais pas, on dirait une statue. Attends, vas-y, hop. De l'eau. Le robinet grinça. Ouais. Et du coup, bam! Évidemment, le temps qu'il aille au château, ça va pas sécher. Je maintiens la serviette sous le robinet. Dans la poche. Elle se gonfla rapidement d'eau. Une éponge, ça va, mais... Mes serviettes... Bon, après, ça va, ça fait le taf. Ça fait le taf. Ok, allez. On va pas lui parler, parce que flemme. Mais je suis sûr qu'il fait des très bonnes recherches. Qu'il n'est pas du tout en train de boire au pub. Voilà. Et ouais, c'est bizarre, on dirait qu'il a été rajouté au dernier moment. Genre, vraiment, il bouge pas, rien du tout. Parce que même lui qui est derrière, il fait du violon, il y a l'autre qui boit, mais lui, il est comme ça. Il bouge plus. Ah. Vas-y. Let's go. On retourne au château. Hop là. Ok. Allez, hop. Voilà. Allez, monte. Monte, George. George. Let's go, George. Pour l'instant, je suis encore un petit peu comme un Pokémon, je suis confus. Je sais pas encore pourquoi la solution c'est ça. On va mieux le savoir. Hein. Allez, hop là. Bonjour la chèvre. J'espère que ça va bien la chèvre. L'immonde Raymond, comme il a dit lui-même. Ok. Mais ça a marqué, de toute façon. Ça a marqué tout le monde. Histoire de chèvre. Personne n'arrivait à passer à ce passage, justement. Attention. Hop là. Si elle me dit que ça a séché, je pète un câble. Non, ça va. Le filet d'eau fut rapidement absorbé par le plâtre. Je sortis le solide morceau de plâtre du sable. En dessous, on voyait la réplique parfaite de la statue. D'accord. Et donc ça... Ok, donc la statue a fait un trou, plâtre plus eau pour que ça fasse la forme. Et vu qu'elle a la forme, c'est la forme qui est là. Du coup, ça fait une sorte de clé, genre poup. Le moulage durci rentrait parfaitement dans les cinq cavités. Mais ça se fait aussi vite. Il y a eu un léger choc, puis plus rien. Est-ce que ça se fait aussi vite, IRL, le plâtre, l'eau, comme ça? Ah, la porte en 3D. Ça se voit là, en 3D. D'accord. En même temps, c'est fait par les Templiers, donc c'est évidemment un truc... C'est fait exprès, machin, voilà, mais... Ah, il faut être dans le mood, voilà, énigme. C'est let's go. Allez, hop. Au moins, la lampe torche, elle sert. Mon faucon. Ok. Retour chez Nico. Alors, où étais-tu hier soir? Chez McDavid. J'ai bu un verre avec Doyle et deux autres types. Ce qui explique ta tête d'aujourd'hui. T'as dormi au moins? Pas beaucoup. J'ai dû partager ma chambre avec un autre gars. Et il ronflait? Pas vraiment. Il était mort. Et puis Leary m'a réveillé au milieu de la nuit pour me sortir de la cave. La cave était inondée? Oui. Un crétin avait laissé le robinet ouvert. Et tu dis que Pigram avait disparu? Moi. Sans laisser de traces. Mais ma visite n'a pas été totalement inutile. La pierre précieuse. T'es les mode badass, genre, t'as vu? Le joyau de Pigram. J'ai le... Le joyau des Templiers. Qui que soit ce Jacques Marquet, il va être déçu. Jacques Marquet? C'est le gars à qui Fitzgerald devait remettre la pierre précieuse. J'ai lu quelque chose sur Pigram dans ce magazine. Ok, donc ça c'est notre ami reporter. Notre collègue. Attends, il y a la poste de badass, genre, allez hop. Les médias ne veulent pas le lâcher. Si j'étais son attaché de presse, je lui dirais d'être un peu plus conciliant. Ok. Let's go.
Ces fouilles devaient être Tigram, une vête du Moyen-Âge. Il a démissionné de son poste de recteur de l'université Durham pour se rendre en Irlande. Et maintenant, il a disparu. Ok. D'accord. Bon, Pigram, on ne sait pas où est-ce qu'il est passé. D'accord, bon, bon. Pour l'instant, on voici va laisser... si tu peux trouver quelque chose sur le professeur Pigram. Voilà, exactement. Je me renseignerai à l'université. Que comptes-tu faire ? Je veux savoir qui est Montfaucon ou ce que c'est, et le trouver. Mais tout ce que j'ai pour le moment, c'est un nom et l'image d'un homme pendu. Ok. En gros, l'homme pendu, c'était... Bon, revenons à ce manuscrit. Sur le manuscrit, justement. Parce que justement, voilà, il y a... Ça, voilà. Le joyau, machin. Et il y a un truc ici avec un homme pendu, on sait pas encore à quoi ça fait référence. C'est la pierre précieuse que Pigram avait trouvée à Lochmarn. Voilà, exactement. C'est le trépied du musée Kruhn. Voilà, le musée, voilà, c'est justement ça. Ok. Pigram. Qu'est-ce que tu sais du professeur Pigram ? J'ai vu son émission à la télé, Le passé de Pigram. Il a écrit un livre, Les familles de croisés en Irlande. Encore les croisés. Tiens, la pierre. Tu veux garder la pierre précieuse ? Non, j'aurais trop peur de la vendre. Ah ouais, ok, au moins elle est honnête. Au moins elle est honnête. Regarde, Nico. Une poignée de plâtre. Hein ? Quoi ? Mais pourquoi les hommes sont-ils aussi puérils ? Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Tes poches pleines de trucs inutiles comme un petit garçon. Ce qui est inutile peut devenir essentiel. Et on ne sait jamais quand. Surtout dans un petit clic. Regarde, Nico. Encore ? Une poignée de plâtre. Oui, j'ai vu. Est-ce que je t'ai montré ce mouchoir sale ? Oui, et je t'ai demandé de t'en débarrasser. Et on se serre la main ! Eh hey Nico, on se serre la main ? Pas question, Léon. Ah, il a quand même récupéré c'est ça. C'est l'objet que j'ai utilisé pour pénétrer dans le truc. Il a récupéré le truc des égouts. C'est fascinant. Ça ne t'intéresse pas, n'est-ce pas ? Bien sûr que si. C'est très courageux de ta part d'être allé dans les égouts. C'est vrai ? Bah, ça faisait un peu peur, mais quelqu'un devait le faire. Ok. Tu as besoin de cette photo ? Non, garde-la. Je peux toujours en faire tirer une autre. Ok, bah, on va se casser. Hein. Je ne peux pas rester ici toute la journée, même si ça ne me déplairait pas. Ok, n'oublie pas de voir Lobino au musée Kruhn. Bah c'est justement ce qu'on va faire. Et n'irais-tu pas vérifier si Rousseau n'a rien de nouveau ? Ah ! Ok, je peux faire quelque chose d'autre pour toi. Rousseau, c'est l'inspecteur de police. Des courses ? Un petit voyage au pressing ? Contente-toi de prendre soin de toi. Du coup, George a failli essayer de la draguer. Où est-ce qu'on va ? Au musée ? Ou voir l'inspecteur Rousseau, là, pour voir s'il n'y a pas des news ? Retour au musée ? Ah, c'est que j'aimerais bien aller au musée, là. En vrai, vu qu'on a la pierre précieuse, il faudrait le trépied maintenant. Non, vas-y, j'ai envie de lui parler à elle. Vas-y, elle m'a manqué celle-là. Hé, hey, salut. Bien le bonjour, mon beau jeune homme. La police ne sert à rien, mec. Pas que dans le jeu qu'elle sert à rien, des fois. Tiens, du plâtre. Est-ce que cette poudre vous dit quelque chose ? Non, rien. On se serre la main ? Voudriez-vous me serrer la main ? Sans façon. Vous savez que je vois le futur. Allez, avec les mains, c'est vrai. Tiens. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce mouchoir ? Rien. Pierre précieuse. Qu'est-ce que vous faites de ce bijou ? Très joli, mon cher. Un cadeau pour votre petite amie. Ce n'est pas ma petite amie. Baliverne, vous êtes fait pour vous entendre. Let's go. À plus tard. Sans aucun doute, monsieur. Et à plus. À plus, madame. Let's go. Allez, hop. C'est sympa des fois juste de parler aux gens et tout, leur montrer tous les objets qu'on a et pour écouter ce qu'ils disent. Des fois c'est rigolo. Ouais, vas-y, musée. Go musée. Voilà. Et allez hop là. On y va. Là, franchement, le jeu est joli. Hein. C'est des dessins qu'on voit et tout. Et le seul truc en 3D, des fois c'est des portes qui s'ouvrent, des sas, machin. Tout le reste est en 2D, hein, comme le personnage et tout. Ah, mais Lobino il est là. On voit ses fesses, et l'icône, c'est une bouche qui fait... Donc ça veut dire qu'il va lui bouffer le cul ? C'est l'icône bouffage de cul. George Stewart, le gars qui bouffe le cul. Excusez-moi, vous êtes André Lobino ? Bien sûr. C'est moi ? Vous voulez mon autographe ? Non, on m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Vous aider ? Je m'appelle George Stewart. J'aimerais avoir votre avis de professionnel. D'accord, allez-y. Ok, lui c'est le gérant du musée. Est-ce que le nom de Montfaucon vous dit quelque chose ? Bien sûr. C'était l'endroit le plus horrible de Paris jusqu'à la Révolution. Des toilettes publiques ? Non. Un gibet. Des milliers de gens ont été exécutés là-bas. Un temple de la mort, avec des dizaines d'arches montrant des suppliciés.
des corps en décomposition se balançant au bout d'une corde grinçante, tandis que des corbeaux les dévoraient. Cela explique l'image du pendu. J'ai trouvé une référence à Montfaucon en Irlande, dans un village appelé Lochmarne. Lochmarne ? Mais c'est là que Pigram faisait ses fouilles ? C'est exact. Il est parti avant que j'arrive. Alors, il connaît Pigram, ça c'est sûr. Vous connaissez bien Pigram ? Pas vraiment. Je l'ai rencontré à une conférence. J'aurais bien aimé discuter avec lui plus longuement, mais il était pressé. C'était quand ? Cet été. En juillet, je crois. La deuxième semaine de juillet ? Peut-être. Ah, c'est ça. Juste avant le 14 juillet. Alors Pigram était à Paris en même temps que les autres victimes. Hein ? Les victimes de quoi ? Rien, je réfléchissais tout haut. Ok, bon, heureusement, il se doute de rien. Où se trouvait Montfaucon ? Au nord-est, près du canal Saint-Martin. Mais il n'y a plus rien maintenant. Le vieux gibet a été abattu pendant la Révolution. Ouais, bon, après, ça, le jeu, il prend des libertés historiques, mais des fois, il y a des trucs qui sont vrais dedans, genre les Templiers, machin et tout. Genre, typiquement, il y a un truc qu'on apprend d'Assassin's Creed, c'est genre les Templiers, c'est assassin, ça veut dire Hachachi, donc ça vient de gens. En arabe, ça veut dire genre un truc genre les fumeurs de cannabis ou je sais pas quoi. Et dans ce jeu aussi, avant même Assassin's Creed, ils en parlent de ça justement, c'est rigolo. Tiens. Que pensez-vous de ça ? C'est la plus grosse pierre précieuse que j'ai jamais vue. Où l'avez-vous trouvée ? C'est le coursier du professeur Pigram qui me l'a donnée. Pigram a trouvé ça en creusant ? Oui, dans les vestiges d'une commanderie des Templiers. Vous pensez que ça pourrait être un élément du trésor des Templiers ? Ah non, je ne pense pas. Vous n'êtes pas un de ces hallucinés qui affirment que l'ordre des Templiers existe toujours ? Non, mais je suis ouvert à la discussion. Peut-être que si tu me le prouves, peut-être que je peux dire oui. J'aimerais vous serrer la main. Pas maintenant, Georges. Oh. Vous reconnaissez cette poudre blanche, André ? Non. Tiens, un mouchoir sale. Que pensez-vous de ce tissu ? Rien. Oh, il est susceptible. Le type sur la photo vous dit quelque chose ? Non. Non ? Nid clown. Regardez ce nez, Lobino. Il ne m'intéresse pas du tout. Oh, il n'est pas sympa, lui. J'aimerais avoir votre avis sur un manuscrit médiéval. Vraiment ? Vous l'avez sur vous ? Non, il est trop fragile. De plus, certaines personnes seraient prêtes à tout pour s'en emparer. Très étrange. Vous avez une copie du texte ? Il n'y a presque rien. Juste quelques phrases en latin. J'espérais que vous pourriez me donner votre avis sur les dessins. Sans voir le manuscrit, ça me paraît difficile. Dites-moi seulement ceci. L'image de deux hommes chevauchant la même monture vous fait penser à quoi ? Au chevalier du temple. Est-ce que le sceau des Templiers est visible sur ce manuscrit ? J'aimerais vraiment voir ça. Ah, est-ce qu'on va devoir lui apporter, mais on va avoir des problèmes ? Vous pouvez me parler des chevaliers du temple ? Et Templiers ? Sans problème, mon petit Georges. Soldat, diplomate, mercenaire, moine, banquier. Tout ce que vous voulez, il l'était. La plus grande puissance armée de la chrétienté. La milice de Dieu. Rien que ça. D'où les Templiers ont-ils tiré leur nom ? De l'endroit où ils avaient installé leur quartier général. Le roi chrétien de Jérusalem leur avait offert une partie d'une mosquée située sur le mont du Temple. C'est sur cette même colline que Salomon aurait élevé son temple. L'ordre prit le nom des Chevaliers du Temple, puis celui des Templiers. Vous êtes un puits de science, André. Vous aider est un plaisir, Georges. Ah, let's go. En même temps, il fait son boulot, c'est normal, hein. S'il savait rien, bon. Il aurait fallu refuser le coup de quelqu'un. Comment les Templiers sont-ils devenus si riches ? Beaucoup d'hommes rejoignaient leur rang. Un grand nombre étaient des nobles. Okay. Ils devaient faire vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Leur fortune et les biens revenaient donc au temple. Les Templiers se sont implantés en France, mais aussi en Écosse, ouais, partout, en Angleterre, en Espagne. Presque partout en Europe, en fait. Et les Templiers ils sont avaient partout juré tout d'être pauvres pour eux, pas pour le temple. Ok. C'est vrai que le trésor des Templiers n'a jamais été retrouvé ? Qui sait ? On a si peu d'informations sur ce qui s'est réellement passé. Ou alors la vérité n'a jamais été rendue publique. Que voulez-vous dire ? Les Templiers sont un peu mythologiques. Comme les Chevaliers de la Table Ronde, par exemple. Il y a même des gens pour affirmer que l'ordre des Templiers existe toujours. Ça vous paraît plausible ? Absolument pas. Après, est-ce que les Templiers existaient ? Oui, ils existaient. Mais après, les Chevaliers de la Table Ronde, ils existaient aussi, mais genre, comment ça mythologique ? Genre... Mythologie, c'est quelque chose qui n'existe pas. Genre, mythologie grecque, genre, on ne peut pas affirmer que ça a vraiment existé. Genre, le Minotaure, c'est de la mythologie. Pourquoi on dirait que c'est de la mythologie, genre les Templiers ou même les Chevaliers de la Table Ronde ? Bah, après, c'est sûr qu'il n'y a pas Merlin qui est venu les enchanter et tout, regarde, c'est Excalibur. Non, c'est sûr, mais les Templiers, ils ont vraiment existé, enfin, je sais pas. Le manuscrit est chez une autre personne. À Paris ? Oui, pas loin d'ici, en fait. Eh bien, donnez-moi l'adresse et je viendrai y jeter un coup d'œil.
J'hésite. Il faudrait que je voie d'abord avec elle. Ah, une femme? Oui, une amie, quoi. Peut-être était-ce mon imagination, mais je remarquais une lueur lubrique dans ses yeux. Ah. Tout d'un coup, le petit prof d'histoire se transformait en Casanova en rut. Oh putain. Cette amie qui a le manuscrit. Ah oui, la jeune fille anonyme. Elle habite au 361 rue Jarry. Je vois très bien où c'est. J'irai dès que possible. Ah oui, d'accord. Je demanderai son avis. Finalement, non, tu as l'adresse. Merci pour votre aide. Let's go. Y a pas de quoi. Ok. Bah attends, mais qu'est-ce que je peux faire du coup? Alors vas-y. Est-ce qu'il va dire un truc si je mélange? Je mélange. Si je mélange le trépied avec le diamant. Non, parce qu'il y a encore la vitre, évidemment. Allez, toi, tu m'as fait excusez-moi. Tout à l'heure. Oui, monsieur? Regarde. J'ai trouvé cette pierre dans un site médiéval en Irlande. Voilà qui est intéressant. Comment avez-vous fait pour obtenir ce travail? J'étais qualifié pour. Un maintien militaire, des chaussures qui couinent et une haine irraisonnée des enfants. Tiens, du plâtre. Cette poudre blanche vous est familière? Pas du tout. Que pensez-vous de ce mouchoir? C'est absolument répugnant, monsieur. Voilà, je veux juste le entendre. Répugnant, monsieur. Vous pouvez me donner des renseignements sur ce trépied? Tout à fait, cet objet a mauvaise réputation. Ce trépied appartenait à John Dee. Qu'a-t-il de si exceptionnel, ce trépied de John Dee? Au XVIe siècle, Dee était célèbre pour ses évasions. C'était le Houdini de son époque. Vous voulez dire alchimiste? Houdini utilisait des chaînes ou des menottes, pas un trépied. Je ne sais pas. En tout cas, il utilisait ce trépied pour ses expériences. Quelque chose me dit qu'il n'en sait pas vraiment beaucoup, en fait. Quelles expériences faisait John Dee avec ce trépied? Oh, des choses classiques. Expérience sociale. Vous n'avez pas fait chimie à l'école? Si, mais templier, on a sauté un trépied logique. Se casser la gueule en marchant sur le trépied. Voilà. Pause bleu. Si vous aimez templier, tomber. Puis-je regarder le trépied de plus près? Vous voulez dire le sortir de la vitrine? Pas question. Ce trépied est protégé par un dispositif d'alarme très perfectionné. C'est-à-dire? Une cloche au bruit infernal. Ah, j'avoue que c'est très perfectionné, c'est le futur. Comment l'alarme se déclenche-t-elle? À la plus infime pression, au plus petit mouvement de la vitrine qui contient le trépied. C'est peut-être un peu abusif de dire que ce système d'alarme est sophistiqué, vous ne trouvez pas? Il a toujours fonctionné. C'est sa simplicité qui lui donne sa force. Ok. L'écriteau du trépied dit qu'il a été trouvé dans une commanderie de Templiers. Vraiment? Il n'y est fait aucune mention de John Dee. Quelle négligence! Vous ne savez rien sur ce trépied, n'est-ce pas? Non. Vous savez, je n'ai pas pu pousser mes études très loin. Le peu d'éducation que j'ai eue, je le dois à mon oncle. Il était opticien, mais il avait aussi la fonction de maître d'école au village. Il m'a appris l'alphabet. Du moins, les 19 premières lettres. La dernière ligne était trop difficile à déchiffrer, même pour lui. Alors on l'a laissé de côté. Et si vous repreniez vos études? C'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Vous pensez que si je prenais des cours d'histoire et que je travaillais dur, je pourrais être prof d'histoire? Ah mais non, mais... Âge, on peut rêver. Le père qui est maître d'école, mais en fait, qui connaît pas l'alphabet lui-même. Genre, le père, c'est le prof d'école. C'est un maître d'école, genre, en primaire, et du coup, voilà, il connaît pas la dernière lettre de l'alphabet, la dernière ligne de l'alphabet, quoi. Il a quand même réussi à choper le travail. C'est de la merde. C'est tellement de l'arnaque, j'adore. Merci pour votre aide. Non, mais les dialogues de ce jeu, ils sont bien. Franchement, ils sont trop trop bien. Attends, mais du coup, ok, il m'a dit il ira voir Nico, mais après, qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Genre, ok, y a pas de souci, mais... Qu'est-ce qu'ils veulent de moi, là, le jeu qui suit de moi? Est-ce que je dois aller chez Nico pour lui dire, regarde, il va avoir un machin qui va venir te parler? Ou est-ce qu'on doit on va quand même aller parler à... Ah, mon faucon! Mon faucon, bah, let's go! Ah, let's go. Bonjour, monsieur. J'avais pas vu qu'il y avait mon... Excusez-moi, monsieur l'agent. En quoi puis-je vous aider? Ah. Comme d'hab, serrez-moi la main. Voudriez-vous me serrer la... Je m'arrêtais juste à temps. Électrocuter un flic n'était peut-être pas la meilleure chose à faire en ce moment. Ils auraient reconstruit la Bastille pour pouvoir m'y enfermer et jeter la clé. Vous savez ce que c'est que ça? Ah, vous les Américains et votre amour des gâteries nasales, hein. Je lis Hollywood Woman, vous savez, je connais vos vices. Si vous sniffez ce truc, votre sinus aura l'air d'un bunker. C'est du plâtre de Paris. C'est vrai? Dieu soit loué. Vous m'avez fait peur. L'espace d'un instant, j'ai cru que j'allais devoir arrêter quelqu'un. Ah, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça implique comme paperasse.
La drogue, bien sûr, ils ont pris de la drogue. Que pensez-vous de ce mouchoir taché de maquillage? Très intéressant. Vous voulez voir certains de mes mouchoirs? Sûrement pas. Alors rangez le vôtre, s'il vous plaît. Que pensez-vous de ce mouchoir? Non, non. Très intéressant. Sûrement pas. Alors rangez. Ok, let's go, tiens. Que pensez-vous de cette pierre précieuse? Une copie, bien sûr. Non, c'est une vraie. Quel genre de malade irait agiter un véritable joyau de cette taille sous le nez des gens? En clair, vous dites que c'est soit une copie, soit que je suis fou. Je n'avais pas trop envie d'approfondir le sujet. Vous avez déjà vu cet homme? J'adore les doublages. Je pense que c'est un criminel international. Oh. C'est tout ce que vous arrivez à dire, oh? Je me demandais si je devais vous dire que vous étiez un paranoïaque international. Mais ça ne me paraissait pas très poli. Non, mais c'est pour ça. T'avances bien. Ouais, franchement, ouais, j'avance bien. Franchement. En vrai, ouais, le truc, c'est que j'avais vu une vidéo qui avait marqué comme quoi on pouvait terminer le jeu en 5 heures si on faisait tout bon à chaque fois sans s'éterniser. Et en vrai, je pensais pas qu'il était aussi court. Parce qu'en vrai, il peut être détecté que dès que tu connais l'histoire, tu connais ce qu'il faut faire, ça va vite. Mais. Que savez-vous sur les Templiers? Seulement qu'ils ont été excommuniés en 1312 et qu'ils ont été pendus par douzaine dans le square où nous sommes. Des dons, on en apprend des choses à l'école de police. Non, monsieur, je l'ai lu sur ce panneau là-bas. Ah. Vous ne devriez pas être en train de faire la circulation ou quelque chose de ce genre. Vous avez vu l'état du trafic parisien, non? Oui, alors oui, je peux essayer Paris. De faire la circulation dans la ville la plus dangereuse après Rome. Mais je peux tout aussi bien être tranquillement ici à apprécier le soleil et à siroter ce Sauvignon d'une qualité moyenne. Vous choisiriez quoi, vous? Une qualité moyenne. Alors ça, c'est les gens qui le canalisent leur fun. Excellent oh, ben c'est une qualité moyenne, ça. Oh, ben oui. Mais c'est ces pâtes, là. C'est une qualité... ouais, mais écoutez, 14 sur 20. Genre, c'est bon. Ça suffit. Oh. À la prochaine. Ok, je ne bouge pas. Le café... J'espère qu'il n'y aura pas un fou qui viendra le faire exploser, ce café. Bah les cryptos, tiens. Justement, on va en apprendre plus. En français, en anglais et en allemand. On pouvait lire « En 1312, le pape Clément V a aboli l'ordre des Templiers et excommunié tous ses membres pour hérésie. Pendant les deux années qui suivirent, un grand nombre de chevaliers furent pendus en ces lieux. Leur grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif. Ah, Jacques de Molay, ça me dit un truc. L'île Saint-Louis. Jacques de Molay, ça me dit un truc, ouais. Jacques de Molay. Ouais. Jacques de Molay, ça me dit vraiment un truc. Ok. Pou-pou-pou. Ah ouais, la tombe et tout, la cathédrale. En vrai, c'est joli. Hein. Franchement, c'est joli, hein, ce genre de décor-là. Bah alors, tu veux pas. Je n'avais pas le temps de m'asseoir. Ah, ok. Tu veux pas regarder ça? Ah ok, je pensais pas qu'il... Je pensais qu'il voulait pas avancer. Ok. Attendant en priant le jour du jugement dernier. Ok. Ça. Ça me dit un truc, c'est pas... Elle me dit un truc, cette statue, elle existe pas en vrai. Peut-être le gars il ressemble à quelqu'un, je sais pas. Si la statue avait quelques secrets, elle les dissimulait assez bien. Non, ok. Les vitraux. Très joli, les vitraux. Je n'en avais pas compris la référence biblique. J'étais toujours près du radiateur au cours du catéchisme. Attends. Porter une armure ne devait pas être chose facile. Ouh non, ça clairement pas. Clairement, clairement pas. Est-ce qu'il va dire la même chose ici? Je me demandais si cet homme était mort au combat. Ah, ok. Ici, maintenant. Allez, hop. Allez, 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 Georges, tu avances. J'étais surpris que Philippe le Bel n'ait pas touché à cet endroit. Philippe le Bel, ouais. Philippe le Bel, ça me dit un truc. Sion. Quand je pensais qu'il y avait un homme mort là-dessous. Ah, bah maintenant, il reste plus que descendre, hein, t'inquiète pas. Il reste plus rien du tout, même pas un squelette. Hein. Franchement, le squelette, c'est fini. Alors, finir à 5 heures, oui, mais même quand tu connais par cœur le jeu, c'est galère à trouver le bon cheminement avec les personnages, les objets alliés. Ouais, oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça reste un peu déclic, donc il reste des trucs... Tu n'avais pas le temps de m'a... Un petit peu, voilà, pas qu'à payer au tracté, mais... il faut s'en souvenir, quoi. Le truc de la chèvre, par exemple. La chèvre, pour le coup, voilà, la chèvre... Et heureusement que je m'en souvenais, parce que sinon j'aurais galéré à trouver, quoi. Hop là. Si jamais j'avais voulu juste faire ça pour moi-même. Attends, juste... Voilà, on est bon.
Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de musique ici. Hein? Ah non, je pensais que c'était encore pour ça, mais non. Il n'y a rien du tout. Ah, je suis déçu, il n'y a rien du tout ici. Ah, ils auraient pu cacher un truc. Donc ce soit pas pour tout de suite. On verra. Ok. Bonjour, monsieur. Il n'y avait pas d'eau pour batifoler, et les feuilles moisies qui y traînaient n'avaient pas le même charme. Ah, écoute, bienvenue à Paris. Il n'y a pas que les feuilles qui sont moisies. T'inquiète. Je regarde à lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Ah bah ok. À moins que j'ai loupé quelque chose à la cathédrale, là, bizarrement. Il n'y a rien qui me dit un truc. Ok. Peut-être qu'il faut faire un truc. Oui, reste à la cathédrale. C'est bien ce qui me semblait, parce que ce serait bizarre de pouvoir y aller et de pouvoir rien faire en fait. Genre, let's go un gros endroit et tout avec plein de trucs avec qui interagir, mais tu peux rien faire. À mon avis, je dois utiliser un objet. Je dois utiliser un objet, c'est parce que j'ai interagi avec à peu près tout, mais il s'est rien passé. Donc je pense que c'est surtout un objet que je dois utiliser, genre, je sais pas. Encore le truc des égouts pour tout casser, je sais pas. Hey, avance, Georges! Georges! Je n'avais pas le temps de m'asseoir. Non, mais je veux juste que t'avances. Ouais, viens. Voilà, viens. Viens, mon petit chou. Allez, viens. Viens, là, là, là. Viens me voir, mon petit chou. Allez, hop, là. Tu veux voir ce qui se passe à droite? Ah non, tu as de nouveau la plaque. C'est-à-dire. Il faut dégager les gendarmes. Pourquoi est-ce qu'il faudrait dégager les gendarmes? Attends, attends, attends. J'étais surpris que Philippe Lebel n'ait... Attends. Ça m'étonnerait qu'il faille lui donner ça, quoi. Genre, tiens, cadeau. Ouais, non, non, ça marcherait pas comme ça. On n'est pas dans Resident Evil. Dans Resident Evil 2, il y a un truc comme ça, mais là. Ouais, non, non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Ouais, bon, on va essayer de faire dégager le flic, genre. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Peut-être qu'on va nous voir les policiers, justement, aller voir Rosso ou un truc comme ça, genre. Vous pouvez pas appeler ce mec-là et lui dire que vous avez besoin de lui. Non, attendez. J'ai déjà lu ça. Non, je vais revenir avec le flic là. Attends, qu'est-ce que je peux lui dire? Hey, on lui parle. On lui reparle. Rebonjour, monsieur l'agent. Rebonjour, monsieur. Ce nez rouge, je vous rappelle quelque chose? Ah, une prothèse nasale. Très Non. significatif. Ah bon? Non, c'était juste une petite blague. Ah, bah, écoute. Vous avez déjà vu cet homme? Non, qui est-ce? Je pense que c'est un criminel international. Oh. C'est tout ce que vous arrivez à dire, oh? Je me demandais si je devais vous dire que vous étiez un... Mais ça ne me paraissait pas... Ok, ça, il a déjà dit. Ça. Regardez ça. Ah, vous êtes électricien. Je n'arrive plus à capter MTV. Vous pourriez jeter un coup d'œil à mon poste? Je ne pense pas à celui-ci parce qu'il n'est pas MTV. à moi. Tiens, lui, le gars, il écoute, il regarde Pimp My Ride, Vous là. savez ce que c'est? C'est un outil pour accéder aux égouts. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous ne seriez pas membre d'une branche dissidente des francs-maçons? J'aime bien ce flic. Cette boîte d'allumettes vous fait penser à quoi? Le dessin évoque le Moyen-Orient, mais c'est tout ce que je peux dire. Non, en plus, il Je vous ai cuisinait. montré ce plat, non? Oui, monsieur. Que pensez-vous de ce... Très intéressant. Sûrement pas. Alors... Non. Ah, mais comment on peut faire À la dégager? prochaine. Ok, je ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah? Bah attends. Let's go. Le retour de la plaque. La plaque d'égout. Devant lui, en plus. Hein. Devant lui, on fait ça. Et vous, qu'est-ce que vous fabriquez? Ah. Laissez cette plaque tranquille. Allez. Oh. Ok. Désolé, je ne voulais rien faire de Il faut mal. déclencher Ne ce vous en dialogue comme approchez ça. pas. Il faut d'abord déclencher ce dialogue et après, c'est autre chose. Non, bah, si je lui reparlais, peut-être qu'il va dire, bah, attendez, monsieur, Rebonjour, monsieur j'ai l'agent. perdu un truc dans les Rebonjour, monsieur. égouts. J'ai perdu un truc dans les égouts, non, pas du À tout. la prochaine. Ok, je ne... Ouais, non, ma vie, il faut partir autre part.
un avis parti de part parce que du coup, pourquoi ça servirait d'aller à la cathédrale? Parce que j'ai interagi avec un peu tout. Poste de police. En vrai, juste envie de voir les flics, mais vite fait. Histoire de. Peut-être ça va juste se faire passer le temps, entre guillemets. Et... On va voir. Oui, que voulez-vous savoir? Oui. Hop là. Vous connaissez un homme qui s'appelle Marquet? Oui, on l'a longtemps appelé la taupe du tertre. Il paraît qu'il a été hospitalisé. Ah. Sûrement un règlement de compte. Savez-vous à quel hôpital on l'a emmené? La clinique Hagenmeyer, dans l'avenue des Hérissons. Ah, ça valait le coup d'aller les voir, ça. Pourquoi appelait-on Marquet la taupe du tertre? Parce qu'il habitait à Montmartre, place du tertre. Ah, ok. D'accord, mais pourquoi la taupe? Ah, je ne sais pas, peut-être qu'il creusait dans les jardins. Ok, ça marche. Je voudrais porter plainte. Une plainte à quel sujet? Une plainte pour agression. J'ai été attaqué par deux truands. Ouais, je vois. Et où s'est déroulée cette soi-disant agression? Comment ça, soi-disant? Devant l'hôtel Ubu. Ils m'ont coincé au moment où je sortais et ils ont fouillé mes poches. Vous pouvez décrire les suspects, monsieur? L'un des deux hommes ressemblait à un gorille, l'autre à une fouine. Ils s'appellent Flap et Guido. Bon, cette fois je les aurai. Qu'allez-vous faire pour Flap et Guido, sergent? Je vais les coffrer, monsieur. J'essaie de coincer ces deux malfrats depuis des années. Cette fois, c'est la bonne. Je vais leur montrer, à eux et à l'inspecteur. Merci, sergent. Merci de me croire. Je ne fais ouais. que mon devoir, alors qu'à monsieur. 5 secondes, tu disais ce soi-disant agression, là, ouais. Est-ce que... Oui, vous souhaitez... Ouais, allez, Rosso. Oui, s'il vous plaît. Et monsieur Rosso... Donc, une c'est fois, encore je crois... Stobart, monsieur. Il ah, ça insiste va. Pour vous parler. Ok, Mou, j'arrive. Merci, Mou. Merci, Mou. J'aime bien la voix de Rosso. Je sais plus qui c'est qui fait sa voix, mais... Alors, je suis Rosso, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Let's go, vous connaissez un certain Marquet? Jack Marquet? Marquet? Oui, je le connais bien. Il est soupçonné de kidnapping, chantage, incendie volontaire et recel de tableaux volés. Un homme orchestre, hein? Comment se fait-il qu'il soit libre? Son culot n'a d'égal que le talent de ses avocats. Son cul n'a d'égal. Vous avez entendu parler des chevaliers du Temple? Les Templiers? Mais bien sûr, monsieur. Leur histoire est connue dans toute la France. Nous ne les avons jamais oubliés, contrairement aux autres pays d'Europe. Pourtant, c'est le roi de France qui les persécutait. C'est exact. Ça l'avait ébranlé. C'est Mister son Rousseau, non, non, Rousseau, il était plutôt Rousseau. Nerveux. Il s'appelle Rousseau, R-O-S-S-O, pas Rousseau. Non. Vous semblez être un grand admirateur des Templiers. C'était des hommes vaillants et courageux. Le meilleur de la chevalerie. Je ne sais pas si tout le monde partage votre sentiment, inspecteur. Tout le monde ne partage pas ma passion pour Bartok. Mais si les Templiers étaient aussi nobles que... Ça suffit, vous n'en savez pas assez pour que votre opinion m'intéresse, Tobart. Ouais, il est vénère, ça suffit. Qu'est-ce que vous avez à vous exciter comme ça sur les Templiers? Ils sont morts depuis des siècles. Je n'aurais pas dû insister autant. Ses ancêtres étaient peut-être Templiers. En tout cas, je vis la colère envahir ses yeux, comme une orage d'été. Les Templiers ont été les seuls à ignorer les frontières. 800 ans plus tard, le monde est toujours dirigé par des incapables agitant leurs piètres idéaux nationalistes. Excusez-moi. Ah ouais. Ok, mec. Ah non, lui, je pense que si les Templiers existaient encore, il serait pour eux. Franchement, il serait... Allez, vas-y, c'est bon. Let's go. Parce que j'ai une anecdote, ah ouais. Attends, j'ai envie de lui redire, vas-y, Mou, rappelle-le encore. Vas-y. Oui, que voulez-vous savoir? Et encore. Est-ce que Rosso est là? Oui, vous souhaitez... Ouais. Oui, s'il vous plaît. Un instant, monsieur. Est-ce que vous pouvez lui dire de revenir? Ça n'a pas de c'est sens, là. C'est encore Stobart, monsieur. Il insiste pour vous parler. Merci, Mou. Ok, bon, ok. C'est pour lui reparler. Ça fait pas de sens, là, par contre. Le fait qu'il... Est-ce qu'il est là, encore, tant qu'il l'a vu partir? Il vient de lui parler un instant, donc... Et hop, ça ne se presse pas. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous connaissez le professeur Pigram, l'archéologue? Mais c'est quoi ton anecdote, Maximozer? Le deuxième fils de Lord Barclay Pigram? Ça, je ne sais pas, j'ai seulement lu un article sur lui. Un spécialiste de la désinsertion professionnelle. Qu'a-t-il encore fait? Il a fait une importante découverte archéologique en Irlande. Ok. Vous connaissez bien Pigram? J'ai des liens avec sa famille, mais lui, je ne le connais pas. Il s'appelle vraiment Molly? Bien sûr que non, c'est un surnom qu'on lui a donné à l'école. Tous ses amis et ses proches l'appellent Molly. Ok, bon bah d'accord.
Vous connaissez deux truands nommés Flap et Guido? Je les connais depuis qu'ils ont passé leur bac, Fleury-Mérogis. Guido, c'est le corps. Flap, c'est plutôt le cerveau du duo. Où en avez-vous entendu parler? Je les ai rencontrés devant l'hôtel Ubu. Ah. Ah, on peut lui avoir parlé de ça, d'accord. Tiens, tu as vu cet homme? Je vous ai montré cette photo. Ouais. Vous pensez toujours qu'il s'agit du tueur? Absolument. Tiens, regarde ce joyau. Que pensez-vous de ça, inspecteur? C'est splendide. Comment êtes-vous entré en possession d'un tel joyau? C'est un homme dans un bar qui me l'a donné en Irlande. Vous reconnaissez cette pierre précieuse? Elle m'est inconnue. S'il avait été volé, je serais au courant, c'est sûr. Ok. On se serre la main? Allez, on se serre la main, inspecteur? Ne soyez pas offensé si je décline votre offre, Stobart. Je t'écoute, Maxime Ozer. J'ai la paume des mains particulièrement sensible. Oh. Et tiens, tu veux se plâtre? Que pensez-vous de cette poudre blanche, Rousseau? C'est du plâtre. Dites donc, vous êtes bon. Ok. À bientôt, inspecteur. En fait, en dossier 1, je dessinais sous les tables et je me suis fait choper par le directeur et il s'appelait Monsieur Rousseau. Ah d'accord, ok. D'accord, je vois. Ah, Monsieur Rousseau, d'accord. Est-ce qu'il était de la même famille que Rousseau, justement, l'écrivain, enfin, le littéraire? Parce que du coup, ce serait une bonne anecdote, ça serait une bonne... Soit c'est genre une coïncidence, soit c'est vraiment un descendant, et enfin, c'est rigolo. D'accord, Monsieur Rousseau, let's go. Ah mais du coup je suis allé à l'hôpital, pour aller voir le gars là qu'on a parlé là. Tenez à droite. Le vieux bâtiment laissait percevoir des vestiges de sa grandeur passée. Pas tourner à droite, mais tenez à droite. La construction était comparable à une casquette de baseball posée sur une statue du Moyen-Âge. Bah, en vrai je pense qu'on va s'arrêter là. On a quand même pas mal avancé. On est allé en Irlande et tout. Là on a une petite piste avec Monsieur Marquet. On sait pas encore ce que ça va trop donner. Mais ouais, franchement, le jeu, il est cool. Franchement, il est cool. Bon, après, certaines énigmes, bon, faut réfléchir un petit peu et tout, et c'est pas direct... La réponse, on n'a pas genre direct, quoi. Il avait fait pleurer ma race. Ah ouais? Ah, merde. Aïe, 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 coup dur. Coup dur, là, donc, Monsieur Rousseau, là. Terrible. Mais du coup, ouais, le jeu est très, très cool. Très, très cool, Et ben, j'y rejouerai la semaine prochaine. J'y rejouerai la semaine prochaine avec grand plaisir. On en passe ce niveau. Aïe aïe. C'est pas ton meilleur souvenir avec l'hôpital. C'est pas tellement ton meilleur souvenir l'hôpital dans ce jeu. Aïe, terrible. Terrible, terrible. Ben, on fera ça la prochaine fois. Ben, je repasse en grand. Eh oui, je sais bien, monsieur Etchebest, je sais bien, mais il faut terminer le live, c'est comme ça. Ça peut pas durer indéfiniment. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Et vous en faites pas, on continuera le jeu la semaine prochaine, vous en faites pas. Ben voilà, ben, merci à vous d'avoir été là pour ce live. Du coup, qu'est-ce qu'il reste cette semaine comme live? Ben, c'est pas mal en vrai, on a fait que le début. Alors, attendez juste, je vais quitter le jeu parce que sinon je pourrais pas faire ce que je veux. Voilà, mince. Alors attendez. Attendez. Voilà. Alors du coup, le programme de la semaine. Demain. Attends, je vous ai donné un coup. Demain, à partir de 16h, il y aura du Gartic Fun. Voilà, comme d'hab. On dessine dans le chill. Etc. Je devais faire un live sur Dragon Quest 8 demain soir, mais finalement, je l'ai déplacé à jeudi. Parce qu'il y a Nintendo Direct et j'ai envie de voir ça. Skibidi dop dop. Je dois dire bonne nuit à vous, mais bonne nuit à tous. Bonne nuit à toi aussi. Vendredi sera la suite de Kona, le jeu qu'on m'a conseillé. Et samedi Splatoon, parce qu'il y a aussi le Splatfest ce week-end, donc j'ai hâte de le faire ça. Et puis voilà, ensuite le reste des lives, ce sera sur Hogwarts Legacy, donc le jeu Star Wars, Harry Potter, rien à voir. Donc voilà, tout le monde y joue, je vais pas faire exception. Donc voilà, allez, je vous dis à demain pour Gartic Fun. Et voilà, on se dit à très vite et passez une très bonne soirée. Ciao, ciao!